population humaine grandit. Ce que nous appelons notre civilisation ressemble à un chancre. Nous enrichissons, nous dévastons, nous salissons l'air, l'eau, l'humus fertile, les mers, les prairies, les forêts, les marais, les montagnes, les déserts et les pôles. Demain, la Lune et la planète Mars. Nous produisons des quantités phénoménales de déchets. Nous menons à l'agonie Gaïa, le super-organisme qui nous inclut. Du même coup, nous nous précipitons dans le néant. Nous ne sommes ni le fleuron, ni l'orgueil, ni l'âme pensante de la planète. Nous en incarnons la tumeur maligne, l'homme et le cancer de la Terre. Bonjour Yves Pacalet. Bonjour. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il s'est passé qu'à certains moments de sa réflexion, à certains moments de son militantisme pour que l'homme essaye d'aller un tout petit peu mieux, on en a un peu marre de voir que les choses n'avancent pas, que tout le monde maintenant fait semblant de se dire oui, les écolos, c'est pas seulement les gens qui nous défendent des petites fleurs, les petits oiseaux, mais ça nous concerne. Mais en même temps, une prise de conscience existe. On parle un petit peu De l'avenir qui n'est pas si rose que ça pour l'humanité. Moi, je le vois en effet très très noir et je me dis maintenant, il n'y a plus qu'une solution pour essayer de provoquer cette réaction nécessaire, c'est de taper du poing sur la table et puis de dire aux gens, voilà, vous êtes une espèce magnifique. Qui en effet a produit de la musique de Mozart, oui. Mais vous êtes aussi une espèce dévastatrice, une espèce égoïste, une espèce méchante, une espèce qui salit la planète, une espèce qui salit sa propre mère, la Terre, une espèce qui a besoin de sa mère, qui est à l'intérieur de la matrice de cette Terre, mais qui en même temps lui donne des coups de couteau dans le ventre. Et donc, je dis tôt ou tard, et plutôt maintenant, malheureusement, probablement tôt que tard, le risque, c'est que cette espèce qui s'imagine en effet être le summum de la création, eh bien, va tout simplement se comporter comme se comportent les tumeurs malignes, c'est-à-dire les tumeurs malignes commencent par proliférer, prennent toute l'énergie disponible dans un organisme et finissent par tuer l'organisme. Et nous pouvons très bien en arriver là. Vous n'y allez pas dans la dentelle, hein, Yves Pacalet. Bah, la dentelle, j'en ai fait beaucoup. Hein, oui. J'en ai fait des années et des années de dentelle. J'ai fait des années et des années où... C'est un mea culpa? Non, c'est pas un mea culpa. Je continuerai à faire dans la dentelle et à vanter les actions positives. J'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup, avec Cousteau, avec d'autres, tout seul, dans des livres, dans des poèmes, dans montrer que le monde est beau et que le monde vaut qu'on le protège, que l'humanité est une espèce, en effet, étrange, bizarre dans le grand cours de l'évolution, mais qui vaut qu'on la protège. Le problème, c'est que elle-même, apparemment, n'a pas tellement envie de se protéger. Et donc, je dis, bon, la dentelle, c'est bien, promouvoir les actions positives, c'est très bien, je continuerai à le faire, mais d'un coup aussi, je me dis, bon, peut-être que c'est dû à l'âge, c'est vrai, j'ai passé mes 60 ans. Vous allez vous poser la question, est-ce le phénomène de l'andropause qui vous touche? Oui, je me suis demandé, en effet... de façon très très sincère, si j'avais écrit le livre d'un vieux con, parce que c'est comme ça qu'on peut poser le problème, est-ce que c'est quelqu'un qui est aigri, qui vient d'un seul coup nous répandre son acrimonie, et puis bon, en même temps, j'ai pas du tout ce sentiment-là, parce que moi, ma vie est une vie que je ne regrette en rien. J'ai fait beaucoup des choses dont j'avais rêvé. J'ai parcouru le monde. Voulez-vous que nous y revenions quelques instants? Votre ego en souffrir, vous êtes biologiste, botaniste, zoologue, plus de 80 livres écrits avec des albums de BD, la compagnie du commandant Cousteau, que vous qualifiez de faribole médiatique. Il a fait des fariboles médiatiques. Moi aussi, j'en fais. Hein. Oui. Tout le monde en fait. Quand on est dans ce milieu-là, on est obligé de faire un peu n'importe quoi de temps à autre pour passer à la télé ou passer à la radio. Au moins, mais à la télé, il faut quand même faire des acrobaties pour y passer. Et donc, on dit parfois un petit peu n'importe quoi. On essaye pas trop de dire de bêtises, mais tout le monde, à un moment ou à un autre, finit par en dire. J'ai lu votre livre cette nuit, comme les auditeurs le savent. Après la lecture, qui m'a pris 2 heures, ça se lit rapidement. Mais ça demande à y revenir, hein. Parce que alors, vous développez, tout le monde en prend pour son grade.
J'avais plusieurs solutions. Soit me jeter du cinquième étage, ce que je n'ai pas fait, j'aurais pu me rater. Soit prendre du Prozac. Oui, mais enfin, c'est une façon... C'est toute l'humanité. Et la dernière solution, c'était me saouler la gueule. Voilà. J'ai pris une bière sans alcool, à 6h du matin. c'est peut-être... Alors, le Prozac ou la drogue en général, c'est ce que je développe, en effet, dans ce livre. C'est d'une façon ou d'une autre, pratiquer le divertissement au sens de Pascal. Pascal, Blaise, donc, qui a écrit les Pensées, disait que une des tendances humaines, alors lui, il en parlait à propos de Dieu, il disait les hommes pratiquent le divertissement pour oublier les questions essentielles. Et pour lui, la question essentielle, c'était la question de la vie éternelle, la question du péché, savoir si on allait aller à droite de Dieu ou retirer en enfer, pour caricaturer. Et il disait, l'humanité se divertit pour oublier les questions essentielles. Ça, par contre, c'est toujours vrai, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. L'humanité ne cesse de se divertir. Bon, toute la télévision, tous les médias, toute notre vie quotidienne est organisée pour oublier les questions essentielles. Alors c'est très bien parce que ça nous permet de vivre tous les jours. Mais de temps à autre, il faut se dire que le divertissement en permanence pour oublier ce qui est important, en l'occurrence ce qui me semble important, c'est la probabilité dans un avenir relativement proche de la disparition même de notre espèce. Bon, ben, oublier ça sans arrêt, ça nous évite peut-être des angoisses, ça c'est vrai, mais en même temps, un jour ou l'autre, le réveil arrive, les gifles arrivent, les coups de pied au derrière arrivent, et puis après on se fait écraser sous la montagne de catastrophes qu'on a déclenchées nous-mêmes. Alors, peut-être que de temps à autre, il vaudrait mieux un tout petit peu moins de divertissement, un tout petit peu plus de réflexion. Et en effet, pour ça qu'avec une bonne dose d'humour, moi, j'ai fait ce livre pour dire, de temps en temps, sortons de ce divertissement. Yves, vous écrivez, on peut juger mon humour consternant. Oui, ben effectivement, ça je l'ai dit. D'ailleurs, c'est pas seulement le mien, parce que de temps en temps, en effet, on aime bien se laisser aller quand on écrit à l'humour. En tout cas, moi, et j'ai repris la fameuse idée de Jonathan Swift, le père de Gulliver, écrivain irlandais, et qui avait écrit une modeste proposition pour résoudre le problème de la faim en Irlande. Quand il était en Irlande, il y avait des famines gigantesques. Et il avait écrit donc au XVIIIe siècle cette modeste proposition dans laquelle il disait la meilleure solution pour arriver à âme sensible, tourner le bouton. Ben oui, mais c'était comme ça. C'est ce qu'on appelle l'humour noir. C'était même d'ailleurs dans l'anthologie de l'humour noir d'André Breton, un des premiers textes qu'il avait sélectionné. Swift avait dit pour éviter résoudre le problème de la faim en Irlande, eh bien mangeons les bébés, parce que ça résoudra le problème de deux façons. D'abord, ça donnera à manger à ceux qui mangent. D'un autre côté, ça fera moins de bouches à nourrir par la suite. Mmh. Alors j'ai repris cet exemple en disant on pourrait résoudre le problème de la prolifération de l'humanité sur la Terre en reprenant l'idée de Swift et en mangeant les bébés. Alors, écoutez ce qu'écrit Yves Pacalet, ce sera juste un des rares passages du livre que je citerai. Songeons à ce que cela crée de richesse et d'emploi. Imaginons le négoce de la viande d'enfant, les boucheries charcuteries spécialisées dans le jambon de loupio ou le filet mignon de mioche, le bébé label rouge et le marmot fermier. Les appellations d'origine contrôlée, vieux village, banlieue rouge, Brésil, Niger, Thaïlande, etc., etc. On ne mettrait ni les contrôles vétérinaires, ni les tests comparatifs dans les magazines. Ça tombe bien, un autre président est parti au Brésil. Oui, mais là, en plus, j'essaye de me moquer aussi de la façon qu'on a d'organiser les soi-disant traçabilité. Bon, enfin, tout ça, c'est du baratin de gouvernants. On nous fait toujours miroiter le fameux principe de précaution. Alors là, je l'ai appliqué à la chair d'enfant qu'on mangerait dans le futur. Alors, évidemment, l'humour noir n'est pas goûté par tout le monde. Peu importe. Après tout, chacun goûte l'humour qu'il a envie de goûter. On peut préférer la gaudriole, mais l'avantage de l'humour noir, c'est qu'il permet de dire des choses essentielles en riant encore. Mais en étant bien conscient que ce qu'on raconte sur le mode de l'humour noir met en jeu des problèmes qui, eux, sont vraiment des problèmes fondamentaux, des problèmes importants, des problèmes de survie. Est-ce que les médias dont vous avez parlé, vous me dites qu'il est si difficile, vous avez été reçu sur Europe 1, sur France Inter, sur France 2. Comment vous les trouvez, les...
les hommes de médias et les femmes de médias. Comme, sincèrement, hein. Oui, oui, non. Comme à propos de ce bouquin, j'ai eu avec les médias la même surprise, bonne surprise d'ailleurs, que avec les lecteurs. C'est-à-dire qu'en effet, quand j'ai volontairement écrit ce livre provocateur, au titre provocateur, l'humanité disparaîtra, ça pouvait paraître une prophétie ou une prédiction, comme on voudra. Bon débarras, c'était la provocation. Et je me disais, je vais me faire engueuler par tout le monde, taper dessus, voler dans les plumes. Tout le monde va me dire qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter sa propre espèce. Parlez-nous justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, les côtés positifs, les belles choses, les gens qui se préoccupent d'environnement, etc. Et dans les médias, comme chez les lecteurs, j'ai eu une réaction tout à fait opposée, c'est-à-dire que les gens m'ont dit, vous savez, j'ai compris votre humour, mais en même temps, ce que vous dites, je le pense sincèrement. Vous dites de façon résumée, claire et nette, ce que je pense depuis longtemps de façon un peu confuse. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont réellement, mais réellement inquiets pour l'avenir de l'humanité. Ils voient bien qu'on accumule les problèmes qui déboucheront sur des violences, soit des violences de l'homme sur l'homme, soit des violences de la nature contre l'homme, et que en réalité... Les vraies grandes solutions qui s'imposent. C'est pas nouveau, hein, la violence de l'homme sur l'homme. Il faut pas qu'elle ait. Oui, sauf on a toujours été ainsi. C'est exact, sauf qu'on est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus serré sur une terre qui, elle, ne grandit pas. On est de plus en plus nombreux à consommer, à vouloir consommer des produits qui sont très rares sur la terre et de plus en plus rares. On reparlera certainement du pétrole, de l'eau douce et des matières premières vivantes ou non vivantes en général. Et donc, cette concurrence interhumaine est de plus en plus exacerbée, comme la violence, elle, ne baisse pas d'un cran depuis la guerre de Troie. Je pense que les guerres futures, ce sera la guerre de Troie, c'est-à-dire on extermine tout le monde. Hein. On l'a déjà fait à de nombreuses reprises dans l'histoire. Ça sera ça, mais avec beaucoup plus de morts, parce que justement, on est beaucoup plus nombreux. Jusqu'au dernier ? C'est une possibilité qui est tout à fait envisageable. Il suffit de penser, et ça, je fais tout un chapitre là-dessus dans ce livre, que si on se fait la guerre nucléaire, et vous savez que maintenant... C'est quand même un problème qui revient en surface. On l'avait un peu oublié depuis la fin de l'opposition Union soviétique et États-Unis. On a déjà failli avoir la guerre nucléaire en 1962 avec la crise des fusées de Cuba. Et à l'époque, les stratèges, aussi bien côté soviétique qu'américain, pensaient qu'il y aurait des survivants. Il suffisait de mettre les généraux et quelques personnes importantes dans des abris anti-atomiques et qu'ensuite, une fois que l'essentiel des morts serait fait, eux pourraient survivre. Maintenant, on est sûr et certain, il y a eu des assemblées de scientifiques qui se sont réunies pour étudier cette question, on est sûr et certain qu'il n'y aura pas un seul survivant. Si on se fait la guerre nucléaire en faisant simplement exploser entre le tiers et la moitié des armes déjà construites, qu'on a déjà, nucléaire, bombe H et bombe A, bombe thermonucléaire et bombe atomique, eh bien on aura une succession de phénomènes, les morts violentes immédiates par choc, et puis après les morts par radioactivité, brûlures secondaires, puis les pluies acides, et puis un grand nuage de poussière qui interrompra en partie le rayonnement solaire, les plantes ne pourront plus pousser parce qu'il n'y aura plus de photosynthèse, on se battra pour les rares survivants dans les abris anti-atomiques se battront pour les dernières boîtes de conserve. Et puis après, même si il y en a quelques-uns qui arrivaient à sortir, eh bien, on aurait détruit la couche d'ozone qui nous protège contre les rayonnements venus de l'espace, les rayonnements ultraviolets du soleil très, très dévastateurs. Et ces derniers-là mourraient de leur belle mort. Donc, il n'y aurait pas de survivants. Donc, le dernier humain, comme le dernier des Mohicans, il faut y penser si on arrive à exacerber notre agressivité naturelle envers nous-mêmes, envers notre espèce, à tel point qu'on utilise les armes absolues qu'on a forgées, qui sont les armes nucléaires. On a d'autres moyens de se faire disparaître avec la complicité de la planète qui va, même sans armes nucléaires, pouvoir un jour ou l'autre, si on continue justement à l'agresser, eh bien nous donner la grande claque qu'elle est capable de nous donner, comme nous on donne une claque sur le moustique qui vient nous piquer. Mais nous représentons combien de moustiques à nous tout seuls ? Par rapport à la Terre, un gros moustique. Vous avez des réactions, des réflexions du verbe réfléchir dans ce livre qui sont vraiment étonnantes. Je n'ai pas encore donné le nom de l'éditeur, c'est Artaud.
L'humanité disparaîtra, bon débarras. Mais quel rapport entre l'homme et le moustique ? L'homme peut être considéré dans sa masse comparée à celle de la Terre, et dans le fait qu'il agace la Terre sans arrêt, à coups de marteau-piqueur, à coups de produits chimiques, à coups de bétonneuse, de tronçonneuse, bon, il agace. Tout à l'heure, on a parlé de la comparaison que j'ai faite avec le cancer, mais on peut faire une comparaison avec le moustique. Finalement, en proportion de la Terre, l'espèce humaine, c'est un moustique. Et la Terre peut très bien décider, en changeant, en effet, de plus en plus brutalement son climat, en envoyant des légions de virus qui vont s'attaquer à l'humanité, la Terre peut très bien décider de nous donner une grande claque, à nous, espèce humaine, comme nous donnons une claque sur le moustique qui vient nous piquer. Elle donne quelques petites plaques. Vous voyez, plaques ou claques. Oui, bah... Le tsunami qui s'en souvient voilà, encore. Bah, oui, mais... C'était un... Oui, mais en même temps, c'est quand même des moments dramatiques, avec des centaines de milliers de morts, avec des dégâts gigantesques, les cyclones, Katrina à Nouvelle-Orléans, etc., la canicule en France. Bon, pour l'instant, ça se chiffre en milliers ou en dizaines ou en centaines de milliers de morts. Mais on peut très bien imaginer, d'ailleurs, les spécialistes imaginent qu'avec des changements climatiques beaucoup plus dramatiques comme ceux qu'on se prépare, eh bien, à ce moment-là, les cyclones seraient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus puissants, avec une force bien plus grande. Et puis, nous donnerait alors là des claques majeures. Et si on combine ces catastrophes qui sont en train de se multiplier, catastrophes climatiques qui sont en train de se multiplier avec des catastrophes, effondrement de biodiversité, arrivée de nouveaux virus, etc., on peut imaginer une sorte de grande claque de la nature qui définitivement, dise. Voilà, j'ai inventé une espèce formidable à laquelle j'ai donné l'intelligence, à laquelle j'ai donné la capacité de créer, en effet, la musique de Mozart, la peinture de Raphaël ou de Van Gogh. Cette espèce à qui j'ai donné toutes les armes pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle puisse créer ce qui est une de ses qualité, elle est capable de créer, et beaucoup d'autres espèces ne créent pas, elles reproduisent, ou elles font ce que leur instinct leur dit de faire. Eh bien, cette espèce-là, finalement, au bout du compte, sa capacité de destruction est supérieure à son intérêt. Et moi, Terre, qui ai créé la vie, je décide que c'est assez. Quid de Lovelock, l'hypothèse Gaïa? Eh bien, justement, l'hypothèse Gaïa peut très bien convenir à l'explication de l'élimination de l'humanité. L'hypothèse Gaïa, en effet, je résume, c'est une hypothèse qui est scientifiquement parfois un peu bancale, parfois très discutable, mais enfin qui permet quand même de se faire une représentation assez parlante de la réalité. James Lovelock est un naturaliste, biologiste, écologiste, etc., anglais, qui a travaillé avec la NASA, donc c'est pas du tout un plaisantin sur les questions de la science, et qui a imaginé que la Terre était une autre planète, donc était une sorte de super-organisme qui s'autorégulait en faisant intervenir dans son autorégulation, c'est-à-dire maintenir une température superficielle constante, maintenir un certain nombre d'espèces à la surface de la Terre, s'autorégulait en jouant avec ces différentes espèces. Et la Terre est capable de créer des espèces, elle est capable d'en faire mourir, elle en a créé beaucoup, elle en a fait mourir beaucoup, et donc notre espèce à nous n'est jamais qu'une parmi ces nombreuses espèces que la Terre, ce super-organisme, est capable de créer pour maintenir son équilibre à elle. Et si une de ces espèces, en l'occurrence la nôtre, se révèle être une espèce qui va déséquilibrer de façon dramatique la Terre, eh bien, on peut imaginer, c'est l'hypothèse de Gaïa, que dans certaines circonstances, la planète décide de l'éliminer, comme nous pouvons décider, par exemple, de nous amputer ou de nous faire amputer d'un doigt si on a une infection. Pas qu'elle est, nous sommes des salauds. Nous serions des salauds. Alors ça, c'est au sens sartrien. Voilà, mais là, c'est un autre grand chapitre de ce livre, même plusieurs chapitres de ce livre. Là, c'est moi. Mon premier boulot, c'est philosophe. J'ai toujours été philosophe. J'ai toujours réfléchi à la biologie. J'ai toujours fait des voyages à travers le monde en philosophe.
Et j'ai réfléchi en effet à la question du bien et du mal. On est toujours en train de se demander si l'homme est-il bon, l'homme est-il mauvais. C'est les fameuses questions qu'on posait à Jean-Jacques Rousseau et qu'on pose à tous les philosophes d'ailleurs. Est-ce que l'homme est un salaud, en effet, au sens sartrien, c'est-à-dire qu'il fait le mal en sachant qu'il le fait, en étant conscient de le faire. Là, pour répondre à la question, j'ai été chercher à la fois dans la philosophie, mais aussi, comme mon deuxième boulot, c'est d'être biologiste et scientifique, j'ai été chercher dans ce que je peux connaître du comportement des animaux, c'est-à-dire de l'éthologie, la science des comportements. Et là, j'ai creuser la question, et c'est pour ça que l'espèce humaine m'inquiète beaucoup, c'est qu'en effet, si elle a des côtés positifs, c'est-à-dire son intelligence, sa créativité, sa capacité à avoir de la conscience, savoir que les autres existent, savoir qu'elle existe, et elle a une histoire, elle a un futur, en même temps, et elle développe ces capacités-là de connaissance et de projet sur un terreau qui est un terreau purement animal. Et beaucoup de philosophes, esprit religieux ou non religieux d'ailleurs, font comme si cette composante animale de l'homme n'existait pas. Font comme si l'homme était une espèce radicalement différente de toutes les autres, qu'il n'est pas ce fond d'animalité. Mais ce fond d'animalité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, de façon très objective, il existe. Et nous sommes une espèce qui, comme toutes les espèces animales, avons de grandes pulsions qui nous meuvent dans tous les moments où il y a des crises, et dans tous les moments de la vie, mais encore plus dans les moments où il y a des crises. Et ces pulsions, j'en ai relevé trois principales. Il faut bien être conscient qu'on est animé par ces pulsions-là si on veut trouver un jour une solution, si on veut trouver un jour un avenir à notre espèce. Ces pulsions, c'est les suivantes. La première, c'est la pulsion de la reproduction, la pulsion du sexe. On a envie de se reproduire. Et nous autres, les hommes, nous nous reproduisons avec une vitesse particulièrement incroyable. Nous étions 10 millions d'êtres humains, d'homo sapiens. On s'est donné en plus ce nom, homme sage, et même scientifiquement, homo sapiens sapiens, deux fois sage, enfin bon. On est tous sauf ça, mais on était 10 millions à peu près au moment de Cro-Magnon. Dans ce temps-là, sur le territoire actuel de la France, il y avait 5 000 habitants. On a inventé l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'on a domestiqué les plantes et les animaux, on a pris leur énergie et on s'est retrouvé à 100 millions. Après, on a augmenté assez lentement notre population, mais enfin, on a été 1 milliard sous Napoléon. Quand je suis né, moi, en 1945, on était entre 3 et 4 milliards. Si je meurs à l'âge normal, dans notre espérance de vie occidentale de 80 ans en 2025, on sera 8 milliards et on sera 10 milliards en 2050. Mais vous y allez fort, Yves Pacalet, vous dites « la Terre n'est qu'une orgie ». Oui, alors on est une grande orgie parce que si je considère ma seule petite et modeste existence, 1945-2025, ça fait 80 ans. Et dans ce laps de temps seulement, on est passé sur la Terre, nous les êtres humains, la population humaine, de 4 milliards, même un peu moins de 4 milliards, à 8 milliards. On l'a plus que doublé dans le cours de ma petite modeste existence. Alors oui, mais si c'est pas ça une orgie... Avec votre épouse, vous en avez fait 4 quand oui, même. Oui, alors j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité. Carrément aux jumeaux. Enfin, on a fait des jumeaux. Voilà. C'est pour ça que ça a été vite. Sans ça, on n'aurait peut-être pas fait 4 non plus. Mais bon, on est soumis aux lois de la biologie et on obéit. Et donc, on est une espèce qui en est faite, une espèce lapinique, lapinesque. Enfin, ce qu'on veut, on se reproduit beaucoup plus vite qu'on a n'importe quel autre mammifère, pas aussi vite que les insectes, mais quand même, on se reproduit très très vite. Alors, la première pulsion fait qu'on est de plus en plus nombreux, cette pulsion de la reproduction du sexe. Elle est très forte, très puissante, et on la voit à tous les niveaux qui ensuite se colorent culturellement avec des interdits de toutes sortes, des obligations de toutes sortes selon les religions, les cultures. Bon. La deuxième grande pulsion qui nous anime, et la troisième grande pulsion qui nous anime, j'ai dit, là encore par provocation, qu'elle faisait de nous tous des nazis. L'une, c'est la pulsion du territoire.
c'est des pulsions animales. Les animaux ont les mêmes que nous. Je reviendrai sur ce chapitre, oui. Qui ressemble un peu au titre d'une chanson d'Eddie Mitchell. Nous avons en nous quelque chose un peu... Oui, j'ai pris la rime. Oui, oui, et vous êtes descendu en flamme sur plusieurs sites internet. Oui, mais j'en ai beaucoup qui sont. Vous vous expliquerez. C'est normal, c'est normal d'être attaqué quand on essaye de dire les choses qu'on pense profondément. Ça, surtout celle-là qui titille le fond même de la moralité et de la bien-pensance et du politiquement correct. Et ça, c'est très très dur à admettre. Donc ça, c'est la deuxième règle. Alors et la troisième. La deuxième pulsion, c'est. Cette pulsion du territoire. Comme tous les animaux, nous avons besoin d'un territoire où nous nous sentons en sécurité, où nous avons nos approvisionnements, où nous avons notre logement. Et ce territoire, nous le défendons bec et ongle. Et ça prend des formes extrêmement variées. Alors, c'est sa propriété, sa maison, sa voiture. Mais pour une entreprise, c'est son extension, son chiffre d'affaires, etc. Et nous sommes des défenseurs de notre territoire acharnés. Et pourquoi est-ce que c'est nazi ? Parce que chez Hitler, ça s'appelle l'espace vital. Et je fais remarquer ça. Tout le monde veut son espace vital. Et quand notre voisin mord un petit peu sur notre espace vital, qu'on soit en voiture, à la maison, dans son appartement, etc., immédiatement, nous développons vis-à-vis de lui une forme d'agressivité qui peut être extrêmement, extrêmement forte. Alors pour cela que cela pourrait faire sursauter, en exergue de quelque chose de nous, d'un nazi, vous citez cette phrase d'Adolf Hitler dans Mein Kampf, « Seul un espace vital suffise sur cette terre peut garantir à un peuple sa liberté d'existence. » Ah oui. Mais c'est bien d'attaquer Hitler, mais il y a eu des millions, des milliers, oui. Des centaines de milliers, et ben c'était aussi de son avis. C'est bien justement parce que j'ai peur, je crains que nous ne finissions dans des guerres qui seraient au moins aussi ravageuses et probablement beaucoup plus que la Deuxième Guerre mondiale, que nous finissions dans la Troisième Guerre mondiale, que je dis, nous devons savoir ce qu'il y a en nous. Nous devons savoir comment nous réagissons. Parce que si nous sommes incapables de réfléchir sur notre vraie nature, nous ne prendrons jamais les résolutions et encore plus, nous ne commencerons jamais à agir dans l'optique qui nous permettrait de nous sauver. En plus d'être salauds, nous serions donc complices ? Nous ne voulons surtout pas voir ce qui en nous est destructeur vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de notre propre espèce. Je m'élève fortement dans ce livre contre la tendance qui consiste à dire Hitler était un monstre, il n'était pas humain, les nazis n'étaient pas humains, les massacreurs au Cambodge n'étaient pas humains, les gens qui tenaient le goulag n'étaient pas humains, les gens qui ont massacré au Rwanda n'étaient pas humains. Mais qui était humain ? Les massacres se produisent partout, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la guerre de Troie, on passait au fil de l'épée tous les gens de la cité qu'on avait conquise. Il n'y avait pas un seul survivant. On continue à le faire maintenant. On n'a pas progressé d'un iota depuis qu'on fait des guerres. On est toujours capable d'exterminer totalement l'ennemi et on le fait quand on le veut. Et ça, je dis, c'est la pulsion du territoire. Alors effectivement, en nous, nous avons Hitler. Hitler n'était pas humain. C'est une phrase que je ne comprends pas. Hitler était trop humain. Il a obéi jusqu'au bout à des pulsions que nous avons tous. Alors cette pulsion du territoire, c'est une des grandes pulsions, avec la pulsion du sexe, mais il y en a une autre qui est aussi une pulsion qui est de caractère très nazi, c'est la pulsion de la hiérarchie. C'est ce que Nietzsche, qui est un inspirateur de certaines idéologies nazies appellent la volonté de puissance. Alors en éthologie, en étude des animaux, c'est l'établissement de la hiérarchie au sein d'une société. Tous les membres d'une société, mâle ou femelle, s'établissent en hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a des individus dominés, des individus dominants, et nous essayons tous de dominer les autres. Alors ça se traduit au niveau individuel, au sein d'une entreprise, nous essayons de dominer notre concurrent. Vous allez être détesté. Il faut savoir ce que nous avons en nous. C'est pour ça que j'ai dit, il y a quelque chose en nous d'un peu nazi. C'est ça. C'est cette volonté de puissance, c'est cette volonté de territoire qui nous fait réagir de façon extrêmement agressive envers nos contemporains. Et si nous ne
comprenons pas que les nazis étaient des gens cultivés qui aimaient la musique de Mozart, qui aimaient la musique de Beethoven, bon, mais qui ont quand même exterminé 6 millions de personnes simplement parce qu'elles étaient juives et bien d'autres centaines de milliers parce qu'elles étaient tziganes ou autres. Si nous ne comprenons pas que nous sommes tous capables de faire ça un jour ou l'autre, eh bien jamais nous nous en sortirons. Permettez-moi de vous dire que sans méjuger, hein, et sans sous-estimer, mais c'est le passé. Non. C'est toujours comme ça. On dit toujours c'est le passé, mais c'est pas vrai que c'est le passé. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on disait il y aura plus jamais la Première, où les gens s'étaient entretués dans les tranchées en s'envoyant des gaz de combat. On disait c'est inhumain. Non, c'est pas inhumain. Aucune espèce animale ne fait ça. C'est seule l'humanité est capable d'autant de cruauté envers elle-même. Bon, il faut quand même le savoir. On disait on ne passera jamais plus toute une population d'une cité au fil de l'épée comme c'était la tradition dans les guerres grecques. Mais si. On continue à le faire, on tue tout le monde. L'épuration ethnique, c'est ni plus ni moins que ce que faisaient les Grecs. On continue à le faire. Ça va recommencer où, j'en sais rien, hein. Mais ça va recommencer, bien entendu. Les nazis ont fait ce que faisaient d'autres. Alors évidemment, après, il y a des degrés. Historiquement, on est plus ou moins cruel. Il y a des guerres qui sont un peu moins cruelles que d'autres, même si ceux qui meurent et ceux qui sont passés, voilà, ceux-là, c'est pareil pour eux. Mais bon, elles sont plus ou moins cruelles. Mais c'est vrai qu'il y a des folies encore plus folles que les autres, mais c'est pas des folies indépendantes de notre nature, c'est des folies qui sont dans la logique de notre nature. Et si on veut les éviter, la solution, c'est pas de dire c'est le passé, c'est pas de dire ces gens-là ne sont pas humains. Au contraire, c'est de dire c'est le présent, on est toujours capable de le faire, on le refera. Et puis, c'est pas du tout inhumain, c'est quelque chose qu'on porte en nous. Et on ne peut pas continuer à faire semblant de dire que tout le monde est un petit saint. Et puis se dire oh là ah ben oui au Rwanda quand même ils ont fait à peu près comme les nazis et puis au Cambodge quand même sous prétexte de d'instituer une société plus juste ils ont tué le tiers de leur population comme ça ah ben oui mais c'est hier et puis demain ça sera pas mais si demain ça sera la même chose on sera demain capable de faire ce qu'on a fait hier peut-être encore en pire d'ailleurs hein on n'a peut-être pas vu le pire il y a pas d'autres nouvelles plus encourageantes. Quand je vous écoute, je me dis, mais cet homme, au fond, a raison. Je n'ai pas à prendre parti pour ou contre, mais vous avez une lucidité qui me semble effrayante. Je me pose la question, comment allez-vous faire pour que ce message soit entendu via les médias qui véhiculent ce genre de nouvelles terrifiantes? Ou alors il y a du sadomasochisme? Oui, mais en même temps, il y a un côté, là, c'est j'ai mon côté philosophe, qui consiste à dire, si je suis convaincu de quelque chose, je dois l'expliquer et je dois le dire. Si ça fait pas plaisir, tant pis, je m'en fous. Hein, vous avez raison. Je dis ce que je pense et puis, hein, comme disait Marx dans le Capital, il avait cité en exergue la phrase hein, « Dixi et salvavi animam meam », j'ai dit et j'ai sauvé mon âme. C'est le propre du philosophe, c'est ça, c'est le dire. Et puis bon, une fois que j'ai dit, j'ai fait mon devoir. Vous n'en êtes pas à penser après moi le déluge. Non, au contraire, c'est bien parce que je veux qu'après moi l'humanité puisse survivre, que je dis les choses telles que je les pense en tant que philosophe, mais aussi avec une autre idée qui est une idée un peu médicale en quelque sorte. On peut aussi, quand on est gravement malade, adopter la politique du divertissement, c'est-à-dire penser à autre chose. Hein, on peut très bien dire, ben non, après tout, je ne veux pas le savoir, tant pis, c'est comme ça, c'est pas un cancer, c'est pas la menace d'un infarctus, etc. Bon, je continue à vivre comme j'étais. Bon, on peut le faire, mais mon côté un peu médical me dit que pour un individu comme pour une espèce, si on veut vraiment arriver à tenter la guérison, à tenter le traitement, il faut qu'à un moment ou à un autre... Et moi, il me semble que le moment est venu pour l'humanité, hein, si on parle d'elle en tant qu'espèce malade, le moment est venu de dire, bon, bah, maintenant, il faut quand même regarder la réalité en face. Si vous voulez que le traitement qu'on vous propose éventuellement aboutisse à quelque chose, vous devez quand même être conscient de votre état. On est actuellement, en tant qu'espèce humaine, comme une sorte...
D'individus humains qui seraient extrêmement obèses, qui pèseraient 200 kilos, qui seraient diabétiques, qui auraient tous les signes d'athérosclérose, dont on pourrait dire, on est pratiquement sûr que cette personne-là va faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral très rapidement. Et la différence, c'est que cette personne malade, le médecin lui dirait « Mettez-vous devant votre propre cas. Si vous voulez survivre un peu plus longtemps, commencez à moins manger, faites un régime, abaissez votre apport calorique, prenez des médicaments, faites baisser votre tension, faites baisser votre cholestérol, faites baisser, luttez contre votre diabète. » L'espèce humaine, c'est ce personnage extrêmement malade, atteint de plein de malaise et atteint de plein de maladies de trop manger, à qui on dit en permanence la survie, c'est la croissance. Vous pesez 250 kilos, vous êtes menacé de diabète, d'hypertension, etc. Bouffez, mangez. Continuez la consommation, consommez plus encore, plus, vous serez plus heureux encore quand vous aurez encore plus consommé. Alors que c'est la consommation qui mène à la mort, c'est l'opposition des peuples pour la même richesse qui les mène à s'entretuer. On est dans une société de folie qui consiste à dire à un grand obèse, grand malade qui va bientôt mourir de ces maladies de pléthore, eh bien, bouffez encore plus. Et ça m'énerve parce que j'aurais tendance à dire exactement le contraire. Et si on veut que l'humanité survive, c'est cette obèse qu'il faut sauver, c'est ça l'humanité maintenant. L'homme est le seul animal qui s'autodétruit. Animal, l'homme ? Ah oui, l'homme est animal avec ses trois grandes pulsions et quelques autres d'ailleurs, et puis ses nécessités quotidiennes purement biologiques et qui sont de manger, de boire, etc. L'homme est un animal. L'homme, c'est une espèce animale très étrange parce que il a ses grandes pulsions, qui sont des pulsions animales. Il a ses besoins animaux, qu'il distingue absolument pas d'un autre mammifère. On a exactement les mêmes pulsions, les mêmes besoins fondamentaux que n'importe quel mammifère, l'éléphant, le rat, la baleine, ou que les oiseaux. Mais en même temps, on a cette capacité qui est, elle, très peu animal, qui est l'intelligence. On est capable de réfléchir sur nous-mêmes, on a aussi la conscience de nous-mêmes, la conscience de notre espèce, la conscience du temps qui passe, ce passé, ce présent, ce futur. On construit un discours. On a aussi une capacité qui est rare chez les animaux. L'intelligence et cette capacité-là existent, embryonnaire chez les animaux très très haut placés dans la hiérarchie de l'intelligence, c'est-à-dire les dauphins, les grands singes. Et cette intelligence se double chez nous donc d'une autre capacité étonnante qui est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place des autres. On est capable de savoir que l'autre pense. Donc évidemment, on sait que l'autre sait qu'on sait qu'il pense. Et avec notre intelligence, notre construction d'un discours, eh bien, on se fait toute une représentation de ce que l'autre est en train de penser, de ce qu'il va faire dans notre tête. Et quand on marie ça, et c'est, je pense, l'originalité de mon livre, c'est de marier cette compréhension de l'homme comme une espèce intelligente capable d'empathie, de conscience, avec sa nature animale, eh bien, on a un mélange explosif. En effet, l'homme est toujours en train de se dire « Mon voisin sait que j'ai des plans pour augmenter mon territoire, pour faire monter ma place dans la hiérarchie, pour avoir plus de sexe. Il sait que j'ai des plans, donc il va m'agresser. Donc il faut que je pense à l'agresser avant qu'il ne m'agresse. Donc on établit toute une stratégie juridique, militaire, intellectuelle. Et puis à la fin, si on en arrive comme les animaux à des bagarres, la différence, en effet, c'est là que je dis que l'humanité est la seule qui peut s'autodétruire, c'est que chez les animaux, il n'y a jamais, au sein d'une même espèce, ou très rarement en tout cas, de morts violentes. Les blessures, en général, sont infligées, mais celui qui a perdu, bon, il considère qu'il a perdu et puis il s'en va. Oui. Mais ce passage du livre qui me pose question, comme je vous ai en face de moi, j'en profite, hein,
Vous dites, vous écrivez, nous avons pu croire qu'elles étaient l'apanage de l'homme, mais le costume de parole, de parade, le parfum qui chavire la sérénade sous la lune, la danse de la séduction, le cadeau de mariage, la fidélité, l'infidélité, l'échangisme, l'homosexualité féminine ou masculine, la bisexualité, la transsexualité, le fétichisme, le viol, le sadisme et le masochisme, l'urologie et la scatologie, la zoophilie, l'inceste et la pédophilie existent aussi chez les animaux. Un jour, je traiterai de ces délires afin de rire un peu en attendant la mort. Oui, alors c'est vrai, là aussi, quand on réfléchit seulement en moraliste ou en humaniste à l'homme et à la nature, je pense qu'on passe à côté des réalités. Tout ce que j'ai dit, je peux en citer des exemples, je peux les développer. En effet, ce qu'on appelle les perversions, toutes les perversions existent dans le règne animal, sauf que les animaux, eux, ne les vivent pas comme des perversions. Ils les vivent simplement comme des réponses de stimulation, et ils les vivent de façon, je dirais, sans en faire des histoires. Alors nous avons en effet toutes ces perversions. La différence que nous avons avec les animaux qui les pratiquent, c'est que nous en jouissons avant, pendant et après. Les animaux sont beaucoup plus spontanés, éventuellement sur le moment ça leur dit, ils le font, mais nous ajoutons à tout ça un édifice qui est un édifice de langage, de symboles, de représentations, de lois, de règlements, d'interdits, de tabous que n'ont pas les animaux. Alors quelle différence entre l'instinct et l'intelligence? En principe, c'est les vieilles définitions philosophiques, mais quand on entre dans le détail des choses, on s'aperçoit que la différence est pratiquement impossible à établir. Alors en principe, l'instinct, c'est ce qui est inscrit dans le patrimoine génétique. On a tous un certain nombre de chromosomes, à l'intérieur de ces chromosomes, un certain nombre de gènes. Ces gènes jouent les uns avec les autres, mais nous dictent une certaine conduite en fonction d'un stimulus, c'est-à-dire d'une situation extérieure. Le mâle n'a pas d'intérêt pour la femelle chez la vache, par exemple. Le taureau n'a pas d'intérêt pour la vache la plupart du temps. Et puis, il arrive une période où la femelle est en estrus, en chaleur, et donc elle émet des phéromones et des odeurs qui, d'un seul coup, réveillent monsieur, il porte un gros intérêt à madame. Donc, l'instinct, c'est ça, c'est réagir à un stimulus extérieur, là, en l'occurrence des odeurs, des phéromones. Les phéromones, c'est des hormones externes. On en émet aussi, d'ailleurs. Hein. On voulait pas l'admettre, mais enfin bon. Donc ça, c'est l'instinct. L'intelligence, c'est la construction qui vient ensuite au-dessus, c'est-à-dire de se représenter réellement la chose, de la comprendre, de pouvoir en parler en dehors de la situation, de pouvoir même s'exciter en simplement à la représentation de la situation. C'est tout le rôle de la pornographie. Pour reprendre l'exemple sexuel que j'ai pris avant, mais il y a bien d'autres exemples dans bien d'autres domaines, dans le domaine de l'alimentation, de n'importe quoi, de tous les autres plaisirs et besoins. Et donc l'intelligence, c'est la compréhension d'un ensemble. On agit sur le réel, on voit de quelle façon il réagit et on essaye de comprendre quelles sont les causes et les effets, et ça, c'est le propre de l'intelligence. On essaye de mettre des causes sur chaque effet, on essaye aussi de se représenter l'histoire des objets, l'histoire des individus. Le futur vient ensuite très vite parce qu'on projette de l'histoire au futur. Et l'intelligence, c'est cette construction d'un discours autour d'un ensemble d'instincts. On rajoute en quelque sorte des formules autour de nos instincts. Mais quand on va en effet plus profondément dans la compréhension des choses, quand on regarde comment vivent des animaux, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité, la distinction entre l'instinct et l'intelligence est tellement difficile à faire au bout d'un certain moment qu'on n'arrive plus du tout à la faire. Jean-Yves Pacalet, vous déclarez « J'en ai marre. J'en ai marre de la perpétuelle dictature, des intérêts individuels, familiaux, corporatistes, religieux, communautaires ou nationaux, du je m'en foutisme et de l'hypocrisie,
de la bassesse ordinaire, de l'égoïsme général, je me range évidemment sous l'adjectif général. Vous en avez marre? Oui, moi je suis de la génération de mai 68. L'individualiste de tout pays, restez-le. Voilà, alors ça, c'est effectivement, j'ai rappelé cette anecdote parce que j'étais dans des groupuscules gauchistes qui proclamaient le désir de faire le bien d'autrui, l'altruisme, on était des partageux, on voulait que tout le monde soit égal à tout le monde. Et puis je voyais qu'à l'intérieur de ces groupes, chaque fois qu'il fallait nommer un secrétaire général ou autre, c'était la bagarre, la hiérarchie, le territoire dont j'ai parlé. J'ai dès cette époque réfléchi sur cette double nature de l'homme qui est de proclamer tous égaux, tous pareils, et puis aussitôt qu'il y a un poste à prendre, tout le monde se précipite. J'ai vu chez les gauchistes de mai 68, je l'ai vu chez les femmes, chez les écologistes, pas seulement chez les capitalistes qui disent moi je veux être plus costaud que l'autre, je veux écrabouiller mon voisin, je veux lui prendre toutes ses parts de marché, c'est le territoire, je veux être le plus puissant, je veux avoir le plus gros chiffre d'affaires, c'est la hiérarchie. Bon, on a ce vocabulaire tous les jours. Alors je dis j'en ai marre parce que en effet j'ai gardé moi cet idéal de partageux. J'aimerais que tous les hommes soient égaux. Je vois bien qu'à l'intérieur de moi-même, parfois, mes tendances, mes pulsions se réveillent et m'empêchent d'être aussi bon que je rêverais de l'être. Et même la plupart du temps, c'est le cas. Je ne suis pratiquement jamais bon. Ça me désole. Mais j'aimerais que l'espèce humaine tende vers cet idéal. Pour moi, ça reste un idéal. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, à l'exception de la majorité d'entre eux. Ben voilà, c'est encore une remarque de Yves Pacalet. Ben hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc j'avais écrit, parce que j'en avais marre de tous ces faux-semblants sur un mur de mai 68, qu'on écrivait tous sur les murs à l'époque, individualiste de tous les pays, restez-le, en référence évidemment au slogan du manifeste du Parti communiste. Mais à la fois, je suis très individualiste, mais je suis toujours très, très partageux, très idéaliste. Je rêve qu'un jour, l'humanité ayant pris conscience de tout ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire de sa nature mauvaise, de sa conjonction animale et humaine qui la rend extrêmement agressive envers elle-même, eh bien que nous réussissions à nous dire tous, bon, nous savons que nous sommes, grosso modo, et pratiquement même sans aucune exception, il y a peut-être un ou deux saints par-ci, par-là, j'en sais rien, mais bon, la majorité d'entre nous, nous sommes tous ces salauds-là. Nous sommes tous capables, un jour ou l'autre, dans des circonstances données, d'exterminer nos voisins. Bon, il faut que nous disions ça pour arriver à nous en sortir. Parce que si nous continuons à parler le politiquement correct et à dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais non, il n'y a que quelques exceptions, des monstres, et bien souvent on s'aperçoit que les monstres sont des millions, c'est les trois quarts d'un pays, on dit ah ben oui, mais c'est une exception historique. Mais non, c'est pas des exceptions. Si on n'est pas capable de se dire qu'on est capable, nous, les humains, des pires atrocités, et que notre tendance, c'est d'accomplir ces atrocités sur nos contemporains, eh bien on n'arrivera jamais à construire ce dont je rêve, c'est-à-dire l'inverse de tout ça, c'est-à-dire un monde, rêvons pas jusqu'au bout, pas un monde parfait, mais un monde quand même un tout petit peu meilleur, un monde un peu plus démocratique, un monde où on partage les richesses, parce que ça c'est un des autres propos que je tiens dans ce livre, les richesses sont très très inégalement partagées, il y a grosso modo 1 milliard de personnes qui vivent dans les pays riches et déjà 5,5 milliards qui vivent dans les pays pauvres. Bon, un monde plus de partage, un monde un peu plus juste entre nous, ça reste toujours mon idéal. Pourquoi, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus juste. Parce que j'ai peur qu'on n'arrive jamais à le rendre vraiment juste. Là je modère un peu mes ambitions. L'idéal, oui, c'est ça, c'est un monde juste, un monde de justice, mais ça tout le monde y prend, hein, les terroristes par exemple, vous écrivez un raciste est un crétin qui se prend pour la race supérieure. Oui, hein, exactement, j'ai entendu parler de ça. Ça c'est une réflexion qui m'est venue effectivement en écoutant parler des racistes. Là, je raconte ça dans ce bouquin, j'étais une
espèce de poivreau locumène dans un bistrot et qui était en train de s'en prendre de façon extrêmement violente aux Nord-Africains qu'il appelait les Bougnoules, les Arbis, etc. et qui disait que c'était des sous-hommes. Bon, c'était en même temps pathétique parce que ce type était un crétin. Maire de Montpellier l'a dit il n'y a pas très longtemps. Oui, ce type était un crétin alcoolique. Alors, je ne parle pas du maire de Montpellier. Ah bon, d'accord. De mon exemple. et je me suis dit à ce moment-là, un raciste est un crétin qui se prend pour la race supérieure. C'est exactement ça. C'est un pauvre type qui imagine qu'il est supérieur aux autres. Bon, alors, il a tous les torts, ça prend non plus de son côté. Il est dans une position lui-même de dominer. Et là, je reviens sur mes explications d'éthologie. Et donc, comme on a toujours besoin de dominer quelqu'un pour être heureux, parce que la domination et le territoire nous apportent du plaisir, on est heureux d'avoir un grand territoire, on est heureux de dominer un autre. Et donc, quand on est au bas de l'échelle sociale, c'est le cas des petits blancs dans tous les pays où il y a des problèmes d'apartheid, pas seulement en Afrique du Sud il y a quelques années, quand on est au bas de l'échelle sociale, on a quand même besoin de dominer quelqu'un. Et une grande partie du racisme naît de là. Les racistes déclarés sont pas souvent les gens qui dominent dans une société, sont souvent les gens qui sont déjà dominés par beaucoup de gens, et ils ont besoin de dominer quelqu'un d'autre. Et donc, ils dominent de façon symbolique une autre race, un autre peuple, en tapant sur lui, en racontant n'importe quelle imbécilité, et ils ont l'impression là d'être un peu plus puissants. Et quand on n'a même plus un individu humain à dominer par le racisme, ou par l'esclavagisme, ou par l'exploitation de l'homme par l'homme, eh bien on domine son chien, on domine sa femme, on domine ses enfants. Enfin, il y a beaucoup de moyens de dominer les autres en nous faisant plaisir. Mais nous en sommes là, il me semble. Hein. Bah oui, il y a deux espèces. Les dominants et les dominés. Oui, mais en même temps, il y a la bagarre permanente pour passer de l'un à l'autre. Mmh. Et puis, au sein de chaque... Mais nous y sommes incités à être... Oui, mais... Ça c'est notre instinct. Oui. Ça c'est de l'instinct, c'est des grandes pulsions. On a envie, ça nous procure du plaisir de dominer. J'explique aussi les circuits qui vont jusque dans notre cerveau et qui, par la libération de dopamine dans notre cerveau, nous donnent du plaisir au moment où nous avons un accroissement de territoire, du sexe ou un peu plus de domination. Nous avons un plaisir, nous ressentons un plaisir. Alors nous l'accroissons, nous les humains, parce que nous, en plus nous construisons un discours de plaisir là-dessus, mais on réagit comme tous les animaux. Et pour ce plaisir, on est capable de n'importe quoi. Et c'est vrai que quand je regarde les actualités télévisées ou quand je vois ce qui se passe autour de moi... Mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas possible d'apporter de bonnes nouvelles. Nous l'avons tenté à plusieurs reprises sur cette antenne. Il y a quelques bonnes nouvelles. De temps à autre, on voit... ce côté positif de l'humanité qui tente de sortir la tête de l'eau. Parce que on en est là, hein. Des fois, je dis, il y a un combat entre le côté positif de l'homme, c'est-à-dire ce côté musique de Mozart, morale, partage, ombre et lumière. Ce qu'on met toujours en avant en disant l'homme est le seul capable de bonté, c'est une bêtise. Il y a beaucoup d'altruisme chez les animaux et même entre animaux d'espèces différentes. Mais bon, on fait croire qu'on est seul capable. Le problème, c'est qu'on en est très très rarement capable. Alors, de temps en temps, ça sort. J'aimerais que ça sorte plus souvent. Que les bonnes actions envers l'homme et envers la nature, et ça revient d'ailleurs au même au bout d'un certain temps, soient plus nombreuses. Mais pour qu'il y en ait un peu plus, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin provocateur, il faut forcément qu'on sache de quoi on est réellement fait. Mais il est plus que provocateur, Yves Pacalet. Vous écrivez « Concernant les 70 vierges promises aux martyrs de l'islam dans le paradis d'Allah, j'ai mon idée. Il s'agit d'une interprétation erronée du Coran. La sourate parle de 70 asticots. Cela au moins sont sûrs. Amis musulmans, de grâce, encore une minute d'humour avant la fatwa. » Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais vous cherchez, là. Vous. Mais c'est pas que je cherche, c'est que j'en ai marre aussi de... C'est pas du tout uniquement... J'en ai autant contre toutes les religions, contre toutes les idéologies. Oui. Hein, je confirme. J'essaye de distribuer ce que je pense à tous les groupes sociaux, à tous les groupes religieux, à tous les groupes politiques, à tous les groupes idéologiques. C'est partout la même chose. Mais c'est vrai que
ces croyances, ce n'importe quoi qui est porté par certains groupes au rang de loi. Mais c'est pareil pour l'idéologie capitaliste actuelle qu'on appelle libérale. On nous fait croire que la croissance c'est le maître mot du bonheur. C'est la même chose que les vierges pour le terroriste. La croissance c'est pas le bonheur, c'est le malheur. Le terrorisme c'est le malheur. La guerre c'est le malheur. Bon, on nous fait croire que c'est le bonheur. Alors le terroriste qui croit qu'il aura ses 70 vierges, il aura en effet 70 asticots. Ça c'est une chose prouvée par la science. Les vierges, j'en sais rien. Mais ça c'est une autre chose. Mais bon. J'ai pas parlé des asticots. Hein. Le type qui croit que la croissance va lui apporter le bonheur, eh ben il n'aura en fait que le malheur. Mais c'est la même façon de raconter n'importe quoi au peuple pour lui faire pour l'inciter à agir dans une direction qui ne prendrait pas s'il était tout simplement un tout petit peu sage. La situation, Yves Pacalet, triste ou désespérée? Ben, comme disaient les humoristes, selon vous, les humoristes, elle est désespérée, mais elle n'est pas grave. C'est-à-dire qu'on peut en rire. J'ai peur qu'elle soit extrêmement désespérée. Le passif dans la construction de la personnalité humaine, c'est tout ce mélange d'intelligence, de projet et puis de pulsion animale qui nous rend de très loin l'espèce la plus agressive envers nous-mêmes. Aucun animal, je l'ai dit, n'est aussi agressif envers lui-même que l'humanité, de très très loin. On n'a jamais vu d'exemple d'extermination massive entre animaux. Je parle pas de la prédation. Hein. La prédation, on en fait tous les jours. On a nos prédateurs dans les boucheries. Dans les abattoirs, oui. Dans les abattoirs. On assassine pendant la nuit, mais le matin, on le mange sans histoire. Voilà. On est des prédateurs, c'est-à-dire qu'on mange aussi d'autres animaux. Quand je parle d'agressivité envers ma propre espèce, c'est envers les autres hommes. Bon, les tigres entre eux ne se tuent pas, les ours entre eux ne se tuent pas, les loups entre eux ne se tuent pas. Le loup qui est vaincu, qui est considéré comme dominé par le dominant, offre sa gorge en soumission. Le vainqueur, l'autre arrête de mordre et ne le tue pas et le vaincu s'en va. Nous on plonge le couteau dans la gorge et on tranche la gorge. Hein. C'est notre originalité d'espèce. Alors bon, je suis en effet très, très désespéré de voir que l'homme est ce mélange explosif d'animalité et d'autre chose et qu'il n'arrive pas dans cette autre chose, c'est-à-dire ce côté intelligent, positif, conscient, capable de réfléchir sur lui-même. Il n'arrive pas à prendre ce qui permettrait à notre espèce de basculer vers un meilleur, c'est-à-dire de privilégier systématiquement l'altruisme, la construction du beau, l'esthétique, la musique de Mozart, la morale. Ça vous a surpris, hein, cette musique-là, au début? Non. C'est bien. Ça... Mais justement, quand j'entends la belle musique, d'un côté j'en jouis, comme on le fait tous, mais j'ai toujours en moi cette idée qu'en effet, les nazis qui allaient exterminer les juifs dans les chambres à gaz, quand ils avaient un moment de loisir, ils allaient écouter un concert de Mozart ou de Beethoven. Et ça me reste présent. Et quand on me dit l'humanité c'est Mozart, je dis oui, mais après qu'est-ce qu'elle va faire? En vérité, c'est un passage du livre, en vérité, oui, comme dans un évangile, en vérité, il n'existe aucune autre solution au problème mondial de l'énergie qu'une diminution rapide, volontaire et massive de notre consommation. Alors que c'est l'inverse qui se produit. Oui, alors ça, vous êtes livré à des calculs ahurissants. Hein. Oui, mais là, c'est pareil, c'est la vulgate économique là, qui nous dit consommer, continuer la consommation. Alors, on n'a que ce mot à la bouche, croissance, croissance, croissance. Alors d'abord, on nous fait croire qu'on sera plus heureux. Moi, je suis persuadé que la croissance nous rend plus malheureux parce que par définition, on est dans l'insatisfaction. Il faudra avoir toujours plus. La satisfaction ne vient que quand on a comblé un besoin. Si on nous présente toujours un besoin supplémentaire, on sera toujours malheureux. Il y aura toujours quelque chose qu'on n'aura pas. Mais alors surtout, ça, si on prend au pied de la lettre la vulgate économique actuelle qui a gagné, hein, et très fier de l'avoir gagné, le marché
marxisme s'est effondré, le libéralisme capitalisme a gagné. Mais alors, si on le prend au pied de la lettre, c'est un désastre absolu. Et c'est là qu'on, c'est vers ça, ça qu'on est en train d'aller. Croître de 3% par an, comme on a sorti ce chiffre, je sais pas d'où d'ailleurs, mais enfin bon, ça ferait notre bonheur. Mais non, croître de 3% par an, c'est doubler, tous les 24 ans, toutes les ressources. Toutes les ressources. Alors doubler les nôtres hein, dans les pays riches, parce qu'on parle de ça souvent pour les pays riches, c'est-à-dire doubler notre consommation en pétrole, enfin en énergie en général, le pétrole, l'électricité, doubler notre consommation en eau, en matières premières, tirer à droite à gauche, en espace, en capacité d'aller en vacances, en nombre d'avions, tous les 24 ans. Mais est-ce qu'on voit à quelle absurdité on va? Alors si en plus on rajoute à ça que en effet, il y a la Terre pourrait donner à peu près en niveau de vie occidental, de quoi fonctionner à 1 milliard d'habitants. Il y en a déjà 5,5 milliards qui attendent, qui n'ont pas ce niveau de vie-là et qui le veulent, parce qu'on leur présente dans les films, à la télé, partout, ce niveau de vie-là, ils le veulent. Et donc, à ce moment-là, on n'est même pas dans un doublement tous les 24 ans, on est dans un doublement, si on voulait que tout le monde nous rattrape, tous les 4 ou 5 ans. Alors, on voit bien que ça se heurte de plein fouet à la réalité. Là, on est dans un discours totalement irréel. Vous parlez de la guerre nucléaire, excusez-moi, je vous interromps, vous parlez de la guerre nucléaire. Hein. Oui, oui. C'est pas au pluriel. Oui, oui, il y en aura qu'une. Singulier, il y en aura qu'une. Ouais. Mais il y a des guerres, il y a des guerres plus pernicieuses. Oui. Hein. Il y en aura beaucoup avant la guerre nucléaire. Vous voulez bien parler de l'eau? Alors, le pétrole, oui, alors, sur cette antenne, nous en parlons régulièrement, mais l'eau, alors, ça me semble terrifiant ce que vous écrivez. Ce heurt de plein fouet entre la promesse que nous fait l'économie et la réalité de la petitesse de la Terre, de la grande population humaine, du désir de tous les humains d'avoir un peu plus, aboutit à se poser, et là c'est mon côté médical ou écologiste, à se poser en médecin qui arrive et qui fait un diagnostic et qui essaye de le faire le mieux possible. Les deux fluides essentiels qui provoquent déjà, qui provoqueront de plus en plus de guerres au 21e siècle, dans notre siècle, en attendant la guerre nucléaire, c'est en effet le pétrole, parce que le pétrole, on a déjà consommé la moitié de ce qui existait sur la Terre, il en reste que la deuxième moitié, mais de plus en plus difficile à tirer de la Terre, donc de plus en plus cher, et avec un nombre... Les études montrent qu'il y a encore des gisements. Non, enfin on les a tous recensés, les grands, on en trouvera quelques petits encore, mais les grands, d'accord, on les a tous recensés, et on dit, il y en a pour 50 ans, à condition de ne pas considérer qu'il sera de plus en plus cher à sortir du sol, et surtout à condition de ne pas considérer qu'on sera toujours les seuls, nous, le milliard d'individus dits des pays développés, à le consommer. Mais c'est déjà pas vrai, puisque les Chinois, les Indiens et les populations importantes arrivent sur le marché. Donc du pétrole, il y en a pour peut-être 25 ans, et de toute façon, dans 15 ans, plus personne ne pourra, au prix où il sera, mettre dans son automobile. Il ne faut pas caler. Vous savez qu'il est possible, ça existe, c'est fabriqué, ils existent, les moteurs de voitures, entre autres, que l'on peut alimenter par les biocarburants. Mais, attendez, laissez-moi finir ma question. Si l'on veut qu'il y ait encore plus de produits naturels, il va bien falloir utiliser des engrais. Il va bien falloir utiliser d'autres perversions, qui celle-là me semble beaucoup plus insidieuse encore. C'est le grand problème à l'heure actuelle. Quelques paysans riches nous font croire, parce qu'ils ne savent pas comment écouler leur production, que les biocarburants sont un avenir. Alors, il faut en effet utiliser toutes les possibilités énergétiques qu'on a, et donc quelques pourcents de matière qui ne sera pas utilisée, issue de la grande agriculture qui serait transformée en éthanol, en biogaz, ou ce qu'on veut. J'ai rien contre, au contraire. Il faut diversifier les ressources énergétiques. Mais si on voulait remplacer la totalité du carburant actuel consommé par des carburants d'origine agricole, qu'on aurait d'abord cultivé sous forme de végétaux dans les champs, il faudrait consacrer aux ressources néo-pétrolières, si j'ose dire, la totalité, et même davantage, des ressources actuellement consacrées à l'agriculture.
Donc il faudrait que les champs ne servent qu'à faire du pétrole. Mmh. Bon, irréalisable. C'est totalement irréalisable. Mmh. On mange quoi dans ce cas-là, hein, déjà. Alors il faudrait que ça soit la totalité des surfaces cultivées qui soient consacrées à faire ces biocarburants, sachant que de toute façon c'est impossible, même si on mangeait rien du tout, même si on mangeait plus rien, même si on n'avait plus besoin d'agriculture pour toute l'industrie agroalimentaire. Il faudrait mettre pour obtenir des bons rendements dans ces champs des engrais. Actuellement, les engrais chimiques sont tirés du pétrole. Donc, il faudrait consacrer une bonne partie de ce qu'on aurait tiré de ces nouveaux champs de pétrole à transformer en engrais pour faire pousser des nouveaux champs de pétrole. Il faudrait répandre sur ces cultures des masses gigantesques de pesticides, parce qu'évidemment on cultiverait partout la même chose, et donc il y aurait des champignons, des insectes, etc., qui viendraient grignoter tout ça. À moins qu'on ne fasse que des immenses champs d'OGM, ça c'est une possibilité, ça a d'autres inconvénients, de toute façon il faudrait quand même mettre des pesticides, des herbicides sélectifs avant, etc. Bon, bon. Et puis alors il y aurait, et là on revient sur ce dont on parlait tout à l'heure, un facteur limitant qui rendrait totalement impossible une économie de ce genre-là, c'est que pour faire en masse des biocarburants, il faut une agriculture extrêmement exigeante en eau. Or, l'eau manque déjà partout. L'eau est déjà le deuxième grand fluide qui sera le fluide des guerres du 21e siècle. Mmh. Avec le pétrole, l'eau, c'est le fluide qui va manquer. Il manque déjà. Mmh. Partout dans le monde, on voit naître des conflits pour l'eau douce. Évidemment, l'eau, il y en a dans la mer, mais elle est salée, donc on peut pratiquement pas l'utiliser. Alors là, ils disent, il n'y a qu'à la dessaler. Oui, mais on la dessale avec quoi? Avec de l'énergie. Mmh. Alors, il faut beaucoup d'énergie pour la dessaler, c'est-à-dire qu'il faut consommer soit du pétrole, c'est soit autre chose. C'est apocalyptique ce que vous dites là. C'est le serpent qui se mord la queue. Parce que on propose toujours des solutions partielles. Et quand, oui, comme moi, on est à la fois un philosophe qui a envie de voir les choses dans leur totalité et un biologiste et un écologiste qui veut voir aussi des choses dans leur totalité, on s'aperçoit que les gens qui nous proposent des solutions sont des gens qui nous proposent des solutions qui vont leur rapporter des sous, comme le biocarburant. Mmh. Et un point, c'est tout. Et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Alors faisons disparaître l'argent. Alors l'argent, c'est le signe justement actuel, le signe le plus patent, oui, de la domination et du territoire. On a de l'argent, c'est-à-dire qu'on a un territoire. On a de l'argent, c'est-à-dire qu'on domine. C'est le mode évident de représentation, oui, de ces deux grandes pulsions animales qui sont en nous. Non, mais vous voulez revenir à la préhistoire? La préhistoire, je ne sais pas si c'était la nature. C'était mieux avant. Non, je ne crois pas que c'était mieux avant. Oui. Je ne crois pas que c'était mieux avant. Si on veut pouvoir s'en tirer en tant qu'espèce, et avoir un avenir, parce que je suis pas du tout sûr qu'on en a un, hein, je dis parfois, on est entré dans le 21e siècle, ça pourra difficilement m'être contesté. Vous écrivez, je ne prédis aucun avenir radieux à l'humanité, mais je ne puis m'empêcher de lutter pour sa survie. Oui, ça c'est ma solidarité d'espèce, et puis aussi le fait que j'ai fait des enfants un peu arculons, si j'ose dire, et que maintenant je vois bien que le monde que je leur ai préparé. Vous écrivez également, je n'ai pas peur de ma mort, je redoute celle de mon espèce. Oui. J'y tiens encore un peu. Oui, oui. Oui, c'est vrai, j'ai strictement aucune crainte d'être mort moi-même. Tous les jours, vous y tenez encore un peu ou... C'est suivant vos moments. Bon, ma formation morale me dit que justement je ne peux pas penser que le mieux viendra de l'extermination de telle ou telle partie de la population. Donc je ne peux penser de façon positive à mon espèce qu'en tenant un discours qui soit, là, une fois de plus, un discours global. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est que mon espèce entière survive. Mmh. J'ai pas du tout envie que ne survivent que quelques riches blancs dans des sortes de bunkers comme on en voit déjà en Floride, et surveillés par des troupes en armes et qu'on massacre les pauvres tout autour qui viennent essayer de manger. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon espèce entière survive. Oui, mais vous n'iriez pas jusqu'à donner votre vie, hein. Vous l'écrivez, si, Yves. Si, oui, oui. Alors, je pose, m'amuse dans ce livre, évidemment, beaucoup à poser des problèmes philosophiques pratiques aussi, de temps à autre. Bon, une des caractéristiques des philosophies humanistes, qu'elles soient religieuses ou athées,
c'est justement de dire l'homme est au-dessus de toutes les espèces, l'homme doit passer avant tout, l'homme est la première des importances, priorité à l'humain. Et je pose simplement, comme faisait un peu Socrate, j'essaye de faire de temps en temps mon petit Socrate, j'essaye d'imiter le maître, et je pose des questions du genre de celle-ci. Supposons qu'il me faille choisir entre le dernier couple de tigres vivant sur cette terre et, en supposé qu'ils puissent encore se reproduire, Hitler et Eva Braun. Et je dois absolument choisir. Je fais mourir soit un couple, soit l'autre. Qu'est-ce que je prends ? L'humanisme me dit que je dois prendre absolument Hitler et Eva Braun. Non, mais là, c'est facile. Et je me dis, ils sont morts. Bien sûr. Après, je m'empresse de dire, s'il fallait choisir entre mes enfants et les tigres, ça, je suis pas sûr de choisir la même chose. Mais s'il fallait que je choisisse entre Hitler et les tigres, je suis pas du tout sûr que chez moi, l'humanisme l'emporterait. Bon, il pourrait choisir que ça soit moi. Alors, à ce moment-là, la question serait réglée, hein. Je disparaîtrais et je viendrais plus embêter le monde avec mes petites réflexions, incorrectes politiquement. Je vais ouvrir le standard dans quelques instants. Vous parlez de ces 13 possibilités. Mmh. Ah, le chiffre 13. Je fais exprès ça aussi, c'est pour me moquer de la superstition. Voilà. Vous êtes bien structuré, hein, vous ne l'avez pas écrit. Par contre, à un moment dans le livre, vous êtes en train d'écrire, vous êtes sur le clavier et vous posez quand même des questions existentielles à ce moment-là, Yves Pacalet. Quand vous écrivez ce texte, que je ne qualifie pas de pamphlet, hein, c'est un peu facile. Non, de donner le genre. J'ai jamais lu ça jusqu'à présent. C'est un texte littéraire aussi. Ouais. J'ai essayé de faire très très. Vous écrivez : je vois venir ma mort avec délectation. Désormais, ma mort me fait rire. Je me sens libéré d'un poids. Voici comment. J'ai suivi la formule secrète d'un philosophe stoïcien que l'ombre de Marc Aurèle a griffonné en latin sur un olivier près d'un tombeau de la campagne romaine. Quand je mourrai. Voulez-vous compléter ? Eh bien, j'ai écrit deux textes. En celui-là, quand je mourirai, donc évidemment, faute de français, volontaire, tout à fait, volontaire, c'est une façon enfantine de traiter la question. Eh bien, je pense que dans le meilleur des cas, j'aimerais qu'on abandonne mon cadavre dans une forêt nue, de façon à être recyclé par les animaux sauvages, les bactéries, etc. Bon, c'est interdit par la société. Alors, je veux pas me gendarmer contre ça. Donc, à ce moment-là, qu'on me brûle et qu'on répande mes cendres dans le ruisseau près de mon village natal. Et j'imagine que mes molécules constitutives, une partie sont dans l'atmosphère avec la fumée, mais les autres qui par exemple vont partir avec le courant du ruisseau natal, eh bien vont aller pour certaines dans un nénuphar, pour d'autres dans une larve de libellule, s'envoler. Ma substance va se mélanger avec l'eau de la rivière, et puis peut-être que je serai un moustique qui sera mangé par une truite, et puis après la truite va se décomposer, une partie de ma substance coulera jusqu'à la mer. Et puis, lorsque j'arriverai à la mer, à ce moment-là, peut-être qu'enfin, après avoir été crevette, quelques molécules de moi-même seront, pourquoi pas, crevette ou corail ou méduse. Je serai peut-être à nouveau mangé par un autre poisson ou par un calmar. Et puis, par exemple, ce calmar sera mangé par un cachalot. Et enfin, je vais pouvoir réaliser mon rêve de marin qui sera de plonger avec le cachalot, qui lui est capable de le faire, jusqu'à 3000 mètres dans l'obscurité des abysses. Et là, il contemplera le calmar géant qu'aucun humain n'a jamais vu vivant. On n'a vu que des petits morceaux. Et puis après, je remonterai en surface avec l'écume et peut-être que une partie de mes molécules soufflées par le cachalot qui viendra souffler en surface va partir et fera partie de ces embruns qui vont monter dans l'atmosphère par les tourbillons du vent jusque dans la stratosphère. Et même dans la stratosphère, peut-être qu'une partie de mes molécules sera attirée par l'attraction du soleil et partira vers les étoiles. Et j'aurai à ce moment-là réalisé mon destin qui est d'avoir parcouru une toute petite partie
de temps et d'avoir occupé un tout petit morceau d'espace, ça aurait été bien. J'ai écrit ce livre d'humour et d'humeur dans une paix totale. Je ne suis en effet pas du tout empli d'acrimonie. Ma vie a été belle, j'en ai passé une bonne partie. J'espère que ma mort arrivera le plus tard possible, en tout cas dans le moins de souffrance possible. Mais j'ai absolument pas peur d'être mort. Je m'imagine sous la forme de mes molécules résiduelles qui vont aller peupler telle et telle chose. On peut imaginer de belles choses, de moins belles, mais je serai simplement cet instant de l'énergie, cet instant de la matière qui aura vécu le moins mal possible, qui aura beaucoup regretté que son espèce ne soit pas un peu meilleure, un peu plus tournée vers la poésie que vers les armes de destruction massive. Et puis, bien tout simplement, j'aurais vécu. J'ai strictement pas la moindre croyance dans un autre monde. Mmh. Je ne crois pas qu'il y a un paradis, un enfer, que je vais me retrouver devant un Dieu qui me jugera. Mmh. Je crois simplement que ma substance se défera tout simplement, tout naturellement, et puis qu'elle partira dans d'autres espèces. Il est possible que la substance de tous les hommes disparaisse brutalement comme ça. J'aimerais éviter cette solution ultime. Parce que j'aimerais pas que mes enfants trépassent et les enfants des autres et ceux que j'ai vus partout dans le monde dans les souffrances abominables. Je préfère que la mort, si elle doit advenir, advienne dans le calme et la paix. Mais bon, ma mort, pas plus que ma vie, n'a d'importance. Vous restez profondément homme. Oui, parce que l'homme est quand même, à moins qu'on en trouve dans d'autres mondes, dans d'autres systèmes solaires, la seule espèce pour l'instant qui est capable de réfléchir à son destin. Certaines espèces ont un embryon de conscience et un embryon parfois assez bien structuré d'intelligence, mais ce discours que je viens de tenir sur le passé, le présent, l'avenir, le destin individuel, l'homme est la seule espèce qui, pour l'instant, à notre connaissance, est capable de le tenir. En mourant cramé, hein, vous voulez vous faire brûler, vous donnerez quelques calories, c'est déjà une consolation. Puis ça fera augmenter l'effet de serre. Oui, mais l'épitaphe de Yves Pacalet. Je mettrai simplement un molécule au pluriel. On a des molécules, un point c'est tout, on n'a pas d'autre importance. Bien. Je vais vous laisser avec les auditeurs pendant trois quarts d'heure pour dialoguer, si vous en êtes d'accord, Yves. Oui. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. L'invité de Radio Ici et Maintenant aujourd'hui, Yves Pacalet, auteur du livre « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». C'est aux éditions Artaud. Le numéro du standard, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Bonjour David. Oui, bonjour. Allô ? Oui, oui. Oui, bonjour. Je vous ai écouté avec attention depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Ça tombe bien parce que moi j'avais une vision des choses qui se rapproche beaucoup de la vôtre. Et pour vous conforter dans votre façon de voir les choses, c'est vrai que pour savoir à quoi ressemble l'homme réellement, je pense qu'il suffit de regarder les enfants dans une crèche, tout simplement. C'est-à-dire les enfants ne sont pas encore conditionnés, ne sont pas encore éduqués. Et c'est vrai que si on donnait une arme à chaque enfant de 1 an dans une crèche, je crois qu'au bout de 10 minutes, il n'y aurait plus personne de vivant, quoi. Je crois que les enfants réagissent vraiment, sont vraiment ce que les hommes sont réellement au plus profond, c'est-à-dire des êtres primaires capables de tuer pour un oui, pour un non. Et effectivement, l'éducation, la société nous aide à nous canaliser et à nous éduquer tout simplement, à nous rendre plus sociables. Et j'avais deux petites questions. Donc vous avez parlé d'Hitler tout à l'heure en disant que on était tous plus ou moins des petits nazis, des petits Hitler, enfin qu'on avait une partie d'Hitler en nous. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je dirais tout simplement que
c'est cynique hein, ce que je vais dire, mais bon, je pense que des êtres aussi horribles que Hitler, hein, ce ne sont que l'apogée ou des cas bien particuliers, parce que Hitler, certes, il était humain. Mon cher David, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup d'appels en attente. D'accord. Essayez donc, de synthétiser, oui. Mes deux questions sont très simples. Merci. C'est tout simplement, la première, c'est que est-ce que pour être quelqu'un comme Hitler, est-ce qu'il ne faut pas être plus qu'un simple humain? Il faut avoir une certaine intelligence. Et puis ma deuxième question, c'est que pour qu'on puisse suivre quelqu'un comme Hitler, est-ce qu'on n'a pas besoin, est-ce que dans notre organisme, dans nos gènes, est-ce qu'on n'a pas ce qu'on appelle des déclencheurs? C'est-à-dire moi, pour aucune raison, j'irai tuer mon voisin, mais demain, si on réveille en moi des choses, des pulsions, des choses qui sont en sommeil, peut-être que je prendrai un flingue et j'irai tuer X ou Y personnes. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, tout à fait. Bah, j'écoute vos réponses. Hein, merci David. Les gens comme Hitler sont des dominants d'une forme particulière. Il y a beaucoup de manières de dominer. Là, c'est la domination à la fois par la brutalité, la domination physique, mais aussi la domination par la propagande. Hein. C'est une grande caractéristique des régimes dictatoriaux. C'est la force brutale, la police, les SA, les SS, le GPU dans d'autres circonstances. Et puis la force de la propagande, c'est-à-dire qu'on met dans la tête des gens un certain nombre d'idées qui correspondent à leur désir de domination eux-mêmes. Et tout le monde, au bout d'un moment, marche tout le monde. Non, heureusement, il y a toujours des dissidents qui, eux, refusent de marcher comme tout le monde, mais une bonne partie de la population va dans cette direction-là. Et alors, précisément, cette propagande-là, ce discours de propagande contre les juifs, contre les coulaques dans les dictatures russes, enfin soviétiques, pardon, ce discours de la propagande sert principalement à lever les tabous, parce qu'on a en effet, comme le loup a le tabou du crime, il va pas tuer un autre loup, il s'arrêtera toujours à temps avant de l'avoir tué. Nous, on a un tabou quand même, on n'inflige pas la mort comme ça, heureusement d'ailleurs, sinon ça arrivera à tout bout de champ, mais on a développé une capacité à passer par-dessus nos tabous. Et la propagande, le discours de propagande, c'est quelque chose qui nous fait passer par-dessus nos tabous. Vous voyez comment, pour prendre un autre exemple, dans l'extermination du Rwanda des Hutus sur les Tutsis, on a fait monter la pression dans les têtes, la radio Mille Collines a enchaîner les discours pour dire vous pouvez y aller, vous pouvez les macheter, puisque c'était le mot employé. Et de la même façon, les nazis disaient les juifs sont une race inférieure, vous pouvez les gazer. Mais tout ça s'est fait évidemment dans une sorte de montée de la puissance, de la conviction des gens qui servait à lever les tabous. Et une fois que les tabous sont levés, à ce moment-là, l'humanité est capable d'écrabouiller son voisin, de le macheter, de le passer à la chambre à gaz. Mais Yves Pacalet, vous écrivez, tous les moyens sont légitimes pour assurer le triomphe de cette élite, entre guillemets humaine, l'économie, la politique, la diplomatie, le sport, la propagande, la culture. Quand j'entends le mot culture, mais surtout le fusil, le panzer, le bombardier, le croiseur et la fusée V2, sans oublier le four crématoire. Oui, mais on se sert du discours. Dans le cas d'Hitler ou dans le cas de Radio Mille Collines, c'est vraiment du discours pour faire monter la tension et pour que ce tabou du crime, qui est quand même en nous, on ne tue pas si facilement que ça un contemporain et un congénère, encore heureusement, je l'ai dit, mais ce tabou saute chez l'homme encore plus facilement que chez n'importe quelle espèce animale. Chez les espèces animales, il peut arriver à sauter dans des cas extrêmes, c'est-à-dire que quand on met deux animaux d'une même espèce sans rien leur donner à manger dans une cage, par exemple, ou dans un moment, le tabou du respect de la vie de l'autre finit par sauter. Mais chez nous, il saute même quand on n'est pas dans une grande crise comme ça. Il suffit que ce soit une crise qu'on a construite pratiquement de toutes pièces avec une propagande
mondes économiques, politiques, religieuses, etc. De la même façon, avec la religion, on arrive, en effet, à faire sauter tous les tabous. J'ai repris la fameuse phrase, tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens, pour en mettre une petite couche sur la religion catholique, quand les gens de Béziers avaient été passés par les armes, par les troupes catholiques, du premier au dernier, et qu'on savait pas lesquels étaient protestants ou pas, et qu'on avait... Il y a cette autre phrase, un bon indien est un indien mort. Voilà, un bon indien est un indien mort, et puis il y a actuellement, actuellement on est sur la plus de violence du côté de l'islam intégriste, et donc là, on dit aux gens, vous pouvez égorger, peu importe, c'est dans l'ordre des choses, c'est une fatwa, c'est la religion, c'est Dieu qui vous l'ordonne. Bon, on est capable de faire ça dans tous les domaines, politiques, religieux, économiques, etc., et on fait lever les tabous, et on est capable, comme ça, nous, de nous comporter en sauvage, comme on dit, alors que c'est pas forcément sauvage, au contraire, je crois que c'est très civilisé. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, Yves Pacquel est notre invité jusqu'à 16h, 08 92 23 95 20. Bonjour Ghislaine. Bonjour monsieur Yves Pacquelet, et merci à Jean-Claude de vous avoir invité. Donc, je vous remercie d'être venu à cette antenne, et j'ai lu votre livre et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a vu, qui a tout compris. Et j'y ai trouvé un vrai philosophe pessimiste, donc lucide, éclairé et éclairant nos lanternes que l'on nous fait prendre pour des vessies. Combien de temps encore les puissants vont nous mener en bateau, et dès que le Titanic coulera, les rats fuiront le navire pour Mars. Il est vrai que votre livre n'est pas un roman, mais d'actualité. Il est vrai aussi qu'il choque, heurte, mais avec un airbag d'humour. Il faut bien ouvrir les consciences. Vous citez vos sources, vous faites des investigations, côté écolo, vous constatez par vous-même, et quel constat alarmant, en vous déplaçant sur les lieux, beaucoup de gens s'avouent vaincus, impuissants contre ces faits, fatalistes, voire indifférents. Il est certain que si nous ne faisons rien, la nature nous l'imposera à grandes claques empoisonnées. Et votre livre est un SOS, Planète Urgence. On n'a pas parlé beaucoup du côté que l'homme saccage la planète. Nous n'avions que 2 heures. Oui, c'est vrai, Jean-Claude, c'est vrai. Et donc j'ai plein de questions, mais j'ai pas le temps de toutes les poser. Mais déjà, je voulais savoir si vous pouviez faire un documentaire à la télé de votre livre, si vous avez filmé votre dernier voyage, et ce qui permettrait d'élargir le champ d'action de votre message. Donc je vais vous poser une question. Que pensez-vous de l'idée de certaines compagnies de pétrole ou de gaz qui sequestrent le CO2 et le stockent pour toujours dans des formations géologiques? Peut-il y avoir à long terme de graves problèmes irréversibles sur les équilibres écologiques et l'écosystème de la planète à enfouir ce carbone sous terre ou sous mer? Ça fait beaucoup de questions. Oui. Hein. Tenez, je vais lancer en direct une invitation à Yves Pacquelet. Oui. Je souhaiterais vous recevoir un vendredi soir dans une autre émission. Vous ferez l'effort, d'accord? Oui, pourquoi pas. Bien, alors, quelques réponses La télévision, les documentaires, c'est toujours un petit peu difficile d'en faire sur des sujets qui ne sont pas des sujets de distraction. J'en ai fait quelques-uns, hein, sur les fleurs, sur la 5, ça passe. Oui, on faisait des balades, en effet, sur les sentiers. Ça, c'est mon côté positif, parce que là, on a parlé beaucoup de choses noires. Et moi, je suis un vrai jouisseur, mais j'essaye de jouir le moins mal possible, c'est-à-dire en me faisant pas trop mal. Et la marche à pied, la balade, c'est un plaisir permanent. Et c'est vrai que aller se promener sur les sentiers, faire jouer ses 5 sens, humer les fleurs, quand on les connaît quand on connaît un peu leur façon de vivre, savoir quel est leur nom, à quoi elles servent, ça c'est un vrai plaisir. Et donc j'incite mes contemporains à prendre des plaisirs simples, parce que mon expérience, maintenant évidemment, elle commence à être un peu longue, prouve que tous les plaisirs compliqués sont toujours des faux plaisirs, et les plus simples sont toujours les plaisirs qui donnent finalement aux couches inférieures et supérieures de notre cerveau les plus belles récompenses. Alors donc pour l'instant, faire des films de télévision sur des sujets
qui sont la disparition d'humanité, les télévisions n'en veulent pas, quoi. Ils disent, on va pas. Même le côté écologique, la dévastation. Oui, mais non, ils veulent pas. Alors, on peut en parler un petit peu à la faveur d'un film positif sur les belles choses de la nature. On peut maintenant, ça, c'est le seul progrès. C'est pour ça aussi que je vais écrire des livres comme ça, parce que j'en ai un peu marre de cette hypocrisie. Nous sommes un peu pris par le temps. Oui. Je vous demanderai d'avoir des réponses. D'accord. C'est pas pour vous contrarier, oui, mais absolument. Mais le temps est là et. Et donc voilà, pour l'instant, enfin, j'espère en faire un de ces films. Alors sur la question de l'enfouissement du carbone, il y a beaucoup de baratins. Les puits de carbone dont on nous a rebattu les oreilles, c'est-à-dire planter des forêts contre le droit à polluer, c'est une vaste fumisterie, c'est le cas de le dire, parce que la forêt en effet absorbe du carbone au début. Quand elle pousse, puis après, une fois qu'elle a poussé, soit qu'elle est décomposée, soit qu'on la brûle, elle restitue son carbone. Donc, au bout du compte, c'est exactement la même chose. Le principal puits de carbone, celui qui met le carbone sous forme de carbonate de calcium et qui l'enlève de l'atmosphère pour le mettre au fond des mers, c'est le plancton marin. C'est-à-dire les tout petits organismes végétaux qui, par milliards et par milliards, fleurissent dans la mer et donc absorbent ce gaz carbonique, font la photosynthèse, et puis le gaz carbonique, ils le transforment en carbonate de calcium, c'est-à-dire en calcaire. Et quand ces organismes meurent, ils tombent au fond de l'eau. Et là, couche après couche, micro-organisme après micro-organisme, ils finissent par former de grosses couches de calcaire qui, de temps à autre, ressortent sous forme de montagnes calcaires quand la Terre se met un peu en colère et fait des remplissements comme le petit alpin, mais ça va très lentement. Et en faire des artificiels, je n'arrive pas à comprendre comment on pourrait le faire. Et d'autant plus que ces puits naturels de carbone que sont les floraisons de petits organismes végétaux dans la mer, ce plancton marin, eh bien on est plutôt en train de le massacrer parce qu'on l'empoisonne et parce qu'on est en train de bouleverser les écosystèmes marins, à la fois en pêchant beaucoup trop, donc on déséquilibre l'ensemble du milieu, et puis aussi en procédant à notre réchauffement climatique, eh bien, on est en train d'introduire dans la mer des changements dans les courants, des changements de température superficielle, des changements de surface des banquises, des endroits proches des pôles où le plancton fleurit en masse. Et donc, on est en train plutôt de tuer le plancton marin. Donc, on accélère notre processus d'effet de serre parce qu'il y a de moins en moins de plancton qui est capable de nous en débarrasser, d'en débarrasser notre atmosphère. Mais il restera toujours des forêts, Yves Pacalé. Il restera toujours. Il restera toujours des bonsaïs ici ou là, oui. Mais oui. Les grandes forêts, c'est beaucoup moins sûr, surtout dans les pays tropicaux. Miss Ghislaine, merci pour votre appel, en oui, tout cas. Oui, au revoir. Au revoir. Merci. Jocelyne, merci d'avoir patienté. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bon, puisque vous avez démarré, vous n'avez pas peur des mots. Oui. J'espère que les miens ne vont pas vous choquer. Oh non, Parce que moi, je trouve que les plus grands criminels, ce sont les intellectuels qui ont tué les manuels. Vous ne trouvez pas? Ils les ont dévalorisés. Ils leur ont enlevé la parole. Ils les ont pas assez magnifiés. Parce que sans les manuels, que serait notre société? Je suis d'autant plus... d'accord, ça veut rien dire, mais... Le boulot des intellectuels, que ce soit des économistes, des philosophes, des historiens, c'est d'un côté de comprendre le monde. Là, c'est un boulot que je trouve tout à fait sain, nécessaire. Ça participe de l'humanité. Mais une grande partie du boulot des intellectuels consiste justement à construire des discours de propagande, ou en tout cas leur travail est utilisé par d'autres intellectuels qui sont les conseillers des ministres ou des chefs d'entreprise, etc., ou des maires, etc., et qui construisent ce discours de propagande pour empêcher les gens de voir la réalité en face et les problèmes qui se posent à nous. Et ce que je pense, c'est que notre société, à la vitesse où elle va, avec la consommation de matières premières, d'énergie, etc., qu'elle est en train de faire, avec la destruction du monde dans laquelle elle procède, eh bien, va obliger
tout le monde à redevenir beaucoup plus largement manuel qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on n'aura plus de pétrole et que de toute façon on ne pourra pas faire assez d'électricité parce que de l'uranium, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup pour faire beaucoup de centrales nucléaires, eh bien il faudra en revenir au travail des champs. Et je me demande comment ça se fera et en combien de temps ça se fera, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut pas imaginer le futur comme on le voyait dans les sciences et vie des années 50 et même des années 60 et 80, c'est-à-dire avec un ensemble de robots électroniques partout, parce qu'il n'y aura pas assez d'électricité, pas assez d'énergie pour tout le monde. Et je suis sûr alors là que le rôle d'Emmanuel, d'une manière ou d'une autre, et dans pratiquement tous les domaines, va être à nouveau, mais dans le 21e siècle qu'on a commencé, va devenir à nouveau absolument primordial. Ça, c'est ma prédiction à moi. On retournera pas tous au champ, mais tous à des travaux qui impliqueront de façon beaucoup plus directe notre propre corps et qui nous obligeront à reprendre contact au sens premier du terme avec la réalité. Oui, mais vous ne trouvez pas normal qu'un manuel gagne moins qu'un intellectuel? Ah, le manuel, il fournit beaucoup d'efforts. Moi, je trouve ça tout à fait anormal. Pour moi, je trouve tout à fait anormal qu'on puisse vendre à un pays pauvre un ordinateur extrêmement cher et lui acheter du cacao, du café ou n'importe quoi, ou sa force de travail à un prix dérisoire. Je suis, moi, pour peut-être pas l'égalisation des salaires, parce qu'il ne faut pas non plus penser qu'on y arrivera tout à fait, mais je suis scandalisé par les différences de salaire entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent rien. Je fais souvent la comparaison suivante. À l'heure actuelle, les plus riches dans le monde, les intellectuels ne sont pas tous riches, loin de là. Il y en a qui sont manuels et qui sont devenus riches en ayant des entreprises à eux, etc. Bon, mais parmi les plus riches dans le monde actuel, je dis toujours que maintenant, d'après ce que j'ai pu dire comme chiffre, leur fortune est celle qui équivaut à 8-10 millions de personnes sur la Terre. Je ne comprendrai jamais philosophiquement, moralement, comment une personne peut équivaloir à 10 millions de personnes. C'est pas possible. Pour moi, ça n'existe pas. C'est pas possible que quelqu'un ait des talents qui lui permettent de justifier d'être 10 millions de fois plus important que quelqu'un d'autre. C'est humainement inacceptable pour moi. Et je dis d'ailleurs que cette inégalité entre les plus riches et les plus pauvres sur la Terre n'a jamais eu d'équivalent dans toute l'histoire. Au moment de ce qu'on appelait les grandes différences entre les classes, en tout cas par exemple en Europe ou en Chine, entre quelqu'un de très riche, c'est-à-dire un grand seigneur, duc de Bourgogne ou un grand seigneur régnant sur des grandes provinces en Chine, eh bien avait des revenus qui équivalaient à quelques centaines de milliers d'êtres humains. Maintenant, on est à quelques dizaines de millions, une dizaine de millions. Donc, l'écart entre le plus haut et le plus bas sur la Terre n'a jamais été aussi grand dans toute l'histoire de la Terre. Et je crois forcément que et il ne peut que s'en suivre des crises de revendications extrêmement, extrêmement graves et sanglantes. Et les révolutions ne sont pas toutes derrière nous. Bah oui, c'est pour ça que moi je trouve très bien. Pardonnez-moi, Jocelyne, nous aurons l'occasion de retrouver Yves Pacalé, mais je puis vous assurer qu'il y a. Merci d'avoir patienté, nous n'avons pas suffisamment de temps. Jean-Claude, vous devriez un peu plus magnifier, vous qui êtes humaniste, le travail manuel. Hein. Vous n'invitez toujours que des intellos. Et... Ah bon? Bah oui, je vous ai jamais vu inviter un Ah, il fallait bien un reproche. Un charcutier. Non, mais. Je l'accepte. C'est pas un reproche, c'est une constatation. D'accord. Inviter un jour un charcutier. Un paysan. Un paysan. Un charcutier, ça va pas, non? Quelle idée. Bah, c'est un manuel. Non, attendez, s'il vous plaît. Merci pour votre appel, Jocelyne. Au revoir. 08 92 23 95 20. Bonjour, Romain. Oui, bonjour. Radio ici maintenant, la seule radio où les réponses sont plus longues que les questions. C'est très bien. Monsieur Pacalet, je peux vous dire que vous avez beaucoup d'amis et donc je fais partie. Ça fait très longtemps que je vous suis et je suis très heureux de vous retrouver sur cette radio. Et donc, pour moi, si vos désirs sont des ordres, j'en suis très heureux parce que je suis optimiste, contrairement peut-être à ce que vous laissez paraître dans votre livre, je suis optimiste parce que votre livre existe. Et parce qu'il existe, et parce que vous existez, eh ben je pense qu'il y a encore un espoir. Et ça, c'est quand même énorme. Et si le soir vous vous couchez en ayant des difficultés pour vous endormir, ben dites-vous bien
qu'il n'y a pas beaucoup d'humains sur Terre qui ont fait autant que ce que vous avez pu faire. Alors c'est peut-être une goutte d'eau, mais ce sont toutes les gouttes d'eau qui font un océan. Donc merci vraiment pour ce que vous faites. Alors, pour en revenir aux arguments qui ont été développés tout à l'heure sur les nazis, je voudrais quand même rappeler que les arguments que l'on utilise pour massacrer les animaux, ce sont peu ou prou quasiment les mêmes que ceux que les nazis ont utilisés. Donc à faire réfléchir, est-ce que le racisme ou le spécisme, comme on l'appelle pour les par rapport aux animaux, est-ce que c'est une affaire de racisme ou est-ce que c'est une affaire de culture? Voilà, donc je voulais plein de choses que je voulais vous dire, mais je vais pas encombrer l'antenne puisque le temps est compté. Je sais que Jean-Claude boue derrière, donc mourez très très lentement, Monsieur Pas-Calais, parce que vous êtes vraiment plus utile pour vos idées vivant que mort. Merci, au revoir. Brassens le chantait, mourir pour des idées, mais de mort lente. De mort lente, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est très gentil, évidemment, quand on écrit quelque chose, voir qu'on a quelques personnes qui se trouvent en phase avec ce qu'on a écrit, c'est pour un auteur toujours très très plaisant. Alors ça fait partie de sa petite vanité aussi, hein. Les défauts de l'humanité se retrouvent même là, et peut-être surtout là. Bon, les auteurs sont tous un peu vaniteux, et moi aussi, mais tant pis, assumons nos défauts, puisque j'ai commencé par là dans ce livre. Il y en a qui sont un peu plus graves que d'autres. Alors, c'est vrai que sur la question du traitement qu'on fait subir aux animaux, bon, les animaux, pour l'essentiel, à l'heure actuelle, sont des marchandises, comme les autres. Le trafic d'animaux sauvages est un trafic extrêmement lucratif, hein. Il vient après le trafic d'armes et après le trafic de drogue, en troisième position des grands trafics du monde. Donc là, c'est du commerce pur et simple. Alors on massacre les familles entières d'oiseaux, de singes, de n'importe quoi, de poissons, pour satisfaire quelques besoins en matière animale dite noble, alors qu'on ferait mieux de prendre autre chose. Monsieur Pas-Calais, il en reste encore dans les eaux. Oui, alors justement, quand un jour il n'y en aura plus que dans les eaux, on sera bien content. Alors là, on aura gagné le cocotier. Là. Alors, les pauvres animaux enfermés, quel est pour eux l'intérêt de vivre dans des cages. Et alors, pour tous les en dehors de ce trafic d'animaux qui est pour du pognon, hein, et qui fait des ravages gigantesques quand on va sur les récifs de coraux et qu'on voit que les poissons qui se retrouvent dans les aquariums d'eau de mer de personnes qui ne connaissent pas ces réalités-là, eh bien c'est 1% des poissons qui ont été tués au cyanure ou avec des chocs de pêche à dynamite, etc. Donc on prend les derniers survivants et dans les transports, il y en a encore plein qui meurent, et puis il y en a quelques-uns qui arrivent vivants. Bon, c'est un massacre qui est terrifiant. Alors le traitement animaux dans les boucheries, enfin dans les abattoirs, quand il est codifié, quand on essaye, sachant qu'on est des carnivores, en tout cas des omnivores pour beaucoup d'entre nous, et végétariens bien entendu, mais il y a beaucoup d'omnivores. Bon, si on veut manger de la viande, il faut tuer des animaux. Bon, à ce moment-là, qu'on le fasse de la façon la moins sale possible, la moins génératrice de souffrance, alors ça... c'est quelque chose que je peux admettre, mais il y a des traitements animaux que je n'admets pas. C'est la chasse pour le plaisir, la chasse pour manger, je comprends, la chasse pour le plaisir. Mais que faites-vous des traditions? Bon, alors les traditions, oui, ben, quand elles sont mauvaises, qu'on passe à autre chose. Hein. Pour moi, les traditions, alors là, si c'est une mauvaise tradition, qu'on l'abandonne. Et de la même façon pour la corrida, par exemple, ou pour certaines expérimentations animales, dont on sait très bien qu'elles n'ont pas besoin d'être faite avec les animaux, en tout cas dans ces conditions-là, qu'on les abandonne au plus vite et qu'on passe à autre chose. Vous avez déclaré récemment une dépêche en date du 25 avril 2006, dépêche de l'AFP, « L'humanité veut-elle garder ou non la grande faune sauvage, encombrante et dangereuse, ou ses seuls commensaux, les rats, les cafards et les pigeons ?» Renchérit Yves Pas-Calais, biologiste, botaniste et zoologue. Bah, c'était à propos de l'ours dans les Pyrénées, réintroduction de l'ours. Bon, où on décide que c'est beau un ours et que ça fera toujours rêver nos enfants et qu'en même temps c'est indispensable à l'équilibre général de la vie sur la Terre
Alors, à ce moment-là, on le réintroduit parce qu'il en faut un certain nombre. Et on ne dit pas des ours ailleurs, mais pas chez nous. Parce que ça, c'est un argument qui ne vaut rien du tout parce que les ours sont en danger partout dans le monde. Les ours ne sont pas du tout une espèce qui va bien. Les ours sont une espèce en voie de disparition. Je l'ai vu au Kamtchatka, par exemple, où il y avait 30 000 ours il y a 40 ans. Et maintenant, il en reste 10 000. C'est un des endroits du monde où il en reste plus. Donc, où on veut des ours et des tigres et des lions et des panthères, et des éléphants, et des buffles, et des requins, et des dauphins, et des baleines. Et à ce moment-là, on leur laisse un petit peu de place. Ou alors, on décide que tous ces grands animaux, qui en effet ont besoin eux aussi d'un territoire, et donc d'espace, et qui sont parfois en concurrence avec nous, eh bien, on n'en veut plus du tout. À ce moment-là, on ne veut plus d'ours dans les Pyrénées. Mais ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'ours dans les Pyrénées doivent me dire, en me regardant dans les yeux, parce que les mêmes problèmes qu'ils peuvent éventuellement avoir se posent dans les endroits où il y a d'autres espèces d'ours, où il y a des lions, où il y a des tigres, qui parfois sont même des vrais mangeurs d'hommes, comme dans les Sudan Bans du Bangladesh. Les mêmes problèmes se posent avec les éléphants. Ces gens qui disent « je ne veux pas d'ours dans les Pyrénées » doivent pouvoir me dire les yeux dans les yeux « nous allons tuer tous les éléphants, tous les requins, tous les dauphins, tous les grands prédateurs, tous les grands herbivores, parce que tous ces animaux sont des animaux qui, à un moment ou à un autre, peuvent poser des problèmes à des hommes. Alors s'ils me le disent les yeux dans les yeux, à ce moment-là, ils peuvent tuer les ours. S'ils n'osent pas me le dire dans les yeux, à ce moment-là, on accepte les ours dans les Pyrénées. Et le reste, les papous. Alors les papous, ils sont pareils que les autres. Ils sont. Yves Pacalé, cette humanité, le titre du livre, L'humanité disparaîtra, je ne pense pas au journal, je pense au titre de votre livre, Bon débarras. L'homme aurait-il perdu toute conscience ? L'homme est conscient de ses désirs immédiats. C'est un coup de sang que vous posez là, vous poussez. C'est un coup de sang que vous avez. C'est un coup de sang, c'est aussi la nécessité philosophique, je l'ai évoqué tout à l'heure, de dire ce qu'on pense à un moment donné, de le dire entièrement. De le dire sans phare, de le dire sans tourner autour du pot, de l'infliger à des gens dont on sait que parfois ça pourrait même les choquer. Eh bien, tant pis. Vous écrivez « Nous nous comportons comme des goinfres. Nous incarnons d'insatiables gloutons. Nous sommes les seuls vrais parasites de la planète. Nous dévorons le monde sans regarder au-delà de notre jardin, de notre rue, de notre compte en banque, de nos cours de bourse ou de la prochaine élection. » Oui, on a à la fois cette curieuse capacité à prévoir un certain nombre d'événements qui adviendront. On peut construire en tout cas un discours sur l'avenir. On est même capable, quand on est scientifique, de penser en millions d'années, même en milliards d'années, puisque de toute façon, le Soleil brûlera la Terre dans environ un milliard d'années, puis ensuite il explosera en géante rouge dans 5 milliards d'années. Ça, c'est une quasi-certitude. Les astronomes l'ont démontré. Donc on peut même penser en milliards d'années. Et en même temps, dans notre comportement quotidien, on pense en effet simplement à une échéance de un mois, un an, 2 ans. Les entreprises, les hommes politiques, nous-mêmes, nous tous, on pense au jour le jour et tout ce qu'on entreprend comme action. Eh bien, jamais on ne le passe à la comparaison des dizaines d'années ou des siècles. On agit dans le pur immédiat en se moquant totalement de ce qui adviendra. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on se moque en faisant ça à la fois de la vérité, on se moque de notre capacité à comprendre, parce qu'on la néglige, on marche dessus, on la piétine, on est capable de comprendre et on fait comme si on comprenait pas. Et puis alors surtout, ce qui me hérisse, c'est qu'on fait ça au détriment de la beauté du monde, dans laquelle j'inclus les générations futures, parce qu'on est en train de piétiner les générations futures à l'heure actuelle. Yves Pacalé, en un mot, comme en mille, sommes-nous dans la merde ? Oui, mais en plus c'est dans la nôtre, pas dans la merde générale, mais dans celle que nous-mêmes on a fabriquée et qu'on continue à fabriquer avec les plus beaux prétextes et en disant que c'est le progrès, en disant que c'est le futur, en disant que ça sera bien. 08 92 23 95 20, 12 minutes en compagnie de Yves Pacalé. Bonjour Georges. Bonjour à tous et chacun, monsieur Pacalé, bonjour. Bonjour. Alors, 100% d'accord avec vous, et même plus au point de vue de l'analyse, et le point que vous faites sur notre situation. Malheureusement, je dirais que c'est pas nouveau, parce qu'il y avait un mythe grec qui était celui du vase de Pandore, mais il y avait l'espoir dans le fond du vase et qu'on a vite refermé. Donc,
gardons le moral, comme on pourrait dire. Et je crois que vous êtes un individualiste solidaire. Et mais vous avez parlé tout à l'heure de mai 68. Il y avait un slogan, si je me rappelle bien, qui était « Soyez réaliste, demandez l'impossible mmh. » ou peut-être sous-entendu « ce que l'on croit être impossible ». Vous avez dit que vous... Alors, l'hypothèse spirituelle, apparemment, ça n'a pas l'air d'être votre tasse de thé. Cependant... L'hypothèse divine, hein, l'hypothèse de Dieu. Non. Je veux parler de la transformation de l'être humain, ouais. de changer de niveau, puisqu'il faut... Enfin, il va falloir, à un moment ou à un autre, étant donné qu'on est dans une impasse, arrêter de piller la planète, de se détruire les uns les autres. Mmh. Et il va falloir peut-être songer, au lieu d'être destructeur, à devenir créateur. Mmh. Au lieu de créer des équilibres, à rechercher l'harmonie. Mmh. Et pour ça, il faudra peut-être que l'on fasse un travail sur nous-mêmes. Et mmh. c'est une hypothèse, bien entendu. Mmh. Alors, ce qui paraît impossible à beaucoup, c'est... que l'être humain se transforme, change, comme disent certains, de niveau vibratoire. Il y a quelqu'un également qui est venu à cette antenne dans une émission de Jean-Claude, plus près des étoiles, et qui a écrit la prophétie du cinquième règne. Je vous avoue, je ne l'ai pas lu, mais il me semble avoir compris qu'il fallait, comme on dit, passer à l'étage supérieur. Oui. Est-ce que ce ne serait pas une solution qui paraît impossible à première vue? Oui, Je pense que je vais développer cette idée-là parce que si on a un avenir, ça sera un avenir collectif. Oui. Donc je pense que nous devrons, d'une manière ou d'une autre, pour construire cet avenir collectif, réaliser les États-Unis du monde. Bon, je reviendrai plus longuement là-dessus très probablement dans un prochain livre. Alors, ça suffira pas. Il faut aussi, parce que sinon, on peut très bien avoir une dictature du monde. Il faut, en deuxième lieu, que on soit capable d'entreprendre des actions collectives. Il faut que l'humanité se prenne en main et qu'elle décide collectivement de contrôler les États-Unis du monde, il va falloir créer très rapidement, et puis d'être capable d'agir de façon positive pour justement créer plus d'harmonie que de désordre. Et je crois, alors là, on travaille sur moi-même aussi depuis très longtemps, justement, que l'esprit doit se réformer. Et mon boulot de philosophe, c'est aussi de voir comment moi j'envisage la vie. Je l'envisage en effet sur le mode d'une philosophie du peu, qu'on peut appeler comme on veut. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé leur plaisir dans le peu, avec Dieu ou sans Dieu d'ailleurs, de façon humble. On a beaucoup plus de plaisir quand on est humble. Et de toute façon, l'écologie nous imposera cette nécessité d'être dans une optique de vivre avec peu, mais bien. Et je crois que ça, c'est une révolution psychologique, je sais pas, mais en tout cas philosophique, qui me paraît indispensable pour coiffer les deux autres. Il faut une unification de la Terre et de la conscience que l'homme a qu'on est qu'une toute petite Terre et une seule espèce. Ça, c'est une première condition. Une deuxième, c'est l'action collective dans des petits groupes, des moyens groupes, des grands groupes. Et puis la troisième, qui est indispensable pour que les deux autres fonctionnent, c'est que l'humanité, dans chaque sujet qui la compose, eh bien, essaye de voir où est le véritable sens de sa vie. Est-ce que le sens de sa vie, c'est d'avoir de plus en plus d'objets de consommation, ou est-ce que c'est d'avoir une harmonie, en effet, avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement? Et si on veut que ça soit ça, à ce moment-là, cette philosophie, c'est peu ou prou les recommandations du taoïsme, de la philosophie zen, des philosophies de l'humilité chrétienne, ou de l'humilité chez certains philosophes ou penseurs musulmans. Et il y en a dans toutes les religions, il y en a dans le bouddhisme évidemment aussi. Enfin, voilà. Oui. Pour reprendre une formule, il n'y a qu'une seule sagesse et autant de folie qu'il y a d'êtres humains. Voilà, oui. Merci Georges. Nous aurons l'occasion de retrouver. Oui, ça sera avec plaisir, hein, je dois dire.
À bientôt, Georges. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. On vous appelait le poète qui accompagnait Cousteau. Mais ce livre noir, il y a un remarquable article, des propos recueillis par Patrice Van Hersel dans le numéro de Nouvelles Clés. Vous dites « Seule une frugalité drastique pourrait encore nous sauver ». C'est trop tard ? C'est trop tard. On est sur une pente. Hein. J'ai rappelé toutes les images qu'on a pu employer. Enfin, toutes non, une bonne partie. Hein. Le bolide qui fonce à toute allure dans l'obstacle. Le nénuphar qui augmente sa surface chaque jour. Et demain, il aura couvert tous les temps. Enfin, on a fait plein de comparaisons, de métaphores qui montrent que l'humanité avance de plus en plus vite vers un désastre général. Alors, est-ce que on a encore un frein d'abord ? Est-ce qu'on est alors le frein il est individuel et collectif évidemment. Mmh. Et si on appuie sur le frein, à supposer qu'on en a encore un, est-ce qu'on arrivera à s'arrêter avant d'avoir percuté l'obstacle ? Ça évidemment, j'ai pas la réponse. Vous n'y allez pas mollo, hein. Edgar Morin parle de l'homme démence. Vous dites carrément, l'humain est un salopard au sens sartrien. Il sait qu'il fait le mal, il le fait quand même. Oui. Oui, parce que ça lui fait plaisir. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître. Et moi, dans ma démarche de philosophe, en principe, quêteur de la sagesse ou de la vérité, j'ai besoin qu'on le lise. Le faire du mal à son prochain, ça fait plaisir. Sade en est une illustration dans la littérature, un petit peu dans sa vie. Les assassins de toutes sortes, dans la plupart des crimes, font également ces assassinats par plaisir. Et si c'est des assassinats d'État ou des assassinats de grandes communautés, comme on a pu le voir dans les grands génocides de l'histoire de l'humanité, c'est aussi par plaisir, pour dominer, parce que dominer fait plaisir, et parce que tuer l'autre, c'est la façon la plus absolue d'exercer son pouvoir de domination sur lui. Et si on ne veut pas avoir conscience de cette réalité-là, à ce moment-là, on ne peut pas comprendre la nature humaine. La nature humaine, c'est ça aussi. Si l'homme avait une circonstance atténuante, une seule, c'est toute petite, mais quelle serait-elle pour vous, Yves Pacallet ? C'est à la fois sa circonstance aggravante et sa circonstance atténuante, c'est son intelligence, sa capacité à comprendre le monde et l'autre. À la fois, ça pourrait le sauver un jour, mais c'est ce qui le mène pour l'instant à sa destruction. L'intelligence, c'est à la fois notre circonstance atténuante, aggravante, c'est à la fois notre solution et notre problème. Et je ne sais pas de cette capacité étonnante, né de l'accroissement du volume de notre cerveau quelque part en Afrique il y a 3 millions d'années, autour de 3 millions, c'est pas fin d'un jour, je ne sais pas ce qui l'emportera. Est-ce que ça sera le côté bon ou est-ce que ce sera le côté méchant de l'humanité ? Jusqu'à maintenant, j'ai vu le côté méchant triompher quand même dans beaucoup plus de circonstances et je me demande si ça risque pas d'être la même chose dans le futur. Donc pessimiste, noir jusqu'au bout. Oui, mais comme tous les pessimistes, j'en arrive à me dire, après tout, même... Tiens, à propos de pessimiste, j'ai une définition. L'optimiste était un imbécile heureux, le pessimiste était un imbécile malheureux. Vous rangez dans quelle catégorie ? Oui, c'est aussi la fameuse... Ça se disait en Union soviétique, l'optimiste... qui dit au pessimiste, ça ne peut pas aller plus mal, et le pessimiste qui dit, mais si... Bien, le temps est achevé pour l'instant. Je vous renouvelle cette invitation à revenir. Oui, mais ce sera avec plaisir. Prochain livre. J'essaye d'en écrire aussi de plaisir, parce que je veux quand même développer cette idée que tout n'est pas perdu, même s'il me semble que la situation exige qu'on regarde les choses en face. La vie vaut d'être vécue, et donc je fais à la fois la suite de cet essai-là, pour continuer à développer mon idée de ce qu'il faut faire pour arriver à sauver mon espèce et à la comprendre un peu mieux, ça va ensemble. Et puis des livres de voyage, je viens d'en faire un sur mes plus beaux sentiers de montagne en France, et ça je continue ces plaisirs simples de la balade, et il y en a d'autres qui sont également en chantier. Voilà.
Un grand livre de philosophie aussi sur le matérialisme, les idées. Enfin voilà, ça c'est, mais c'est un gros chantier que j'ai largement avancé, mais qui demande encore beaucoup de travail. Vous en avez encore des choses à dire donc, hein, jusqu'à 80 ans. Moi, ouais, c'est le défaut des intellos, ils ont toujours quelque chose à dire. Oui. Merci Yves Pas-Calais, et à très bientôt sur cette antenne. À bientôt, au revoir.